Il y a une pomme pour Bérangère, du coup, vu qu'il y a des réducts, quand on en prend plusieurs, ben voilà. J'ai vu qu'il y avait Pibi, j'ai fait. Ok. Voilà. Alors, du coup, en fait, ça, je l'ai déjà fait. Du coup, on va devoir rebattre le Krogan, c'est pas un souci. Ouais, bon, en fait, voilà, ça va être un petit récap de ce qui a été fait la semaine dernière. C'est qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, les Kerts, ils injectent un truc dégueulasse dans le corps des gens. Et en fait, je commence à vraiment les haïr. En gros, ils les rendent Kerts, en fait. En fait, les Kerts n'ont pas d'espèce à eux-mêmes, à part, je pense, l'Archon, etc. Et vraiment, enfin, en gros, ils prennent d'autres espèces pour alimenter les leurs, quoi. Alors, c'est ça. Capitaine Ager, ici Ryder. Je vais me dépêcher. On a atteint le sanctuaire de l'Arconte. À votre signal, on déclenche l'IEM. Ça devrait neutraliser les armes. Compris. Bon, on cherche un objet. Voilà, du coup, à la base, on était rentré dans le vaisseau de l'Arconte pour chercher l'artefact Relica. Pionnière, voici la relique dont parlait la Moshaï. Qui est juste devant. On dirait une carte, effectivement. Elle finira, j'espère. Je te le dis encore, j'espère. Cas, salut à tous, hein. Bienvenue sur la chaîne ADLC. Ah. Je vais la superposer à celle trouvée dans le caveau sur Eos. Et donc là, ça ne fera pas des chocs à pic, mais... Oh là là! Mais qu'est-ce donc? Et oui, ça ne sert à rien. Méridiane. Ah bah tiens, Barbie, bravo, le follow. Tu te follow juste maintenant. Bravo. Coordonnées enregistrées, pionnier. Bravo. C'est donc ça que vous cherchez. Vous êtes loin de tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Mélenchon qui arrive en hologramme. Elle est capable de changer bien plus que le climat. Et je ne vous laisserai pas la profaner. Il est sympa son maquillage, Mélenchon. Il a rempété un carré. De la même façon que vous ne m'avez pas laissé échapper à votre piège. Ce n'était pas vous, c'était l'intelligence artificielle dans votre tête. J'ai vu ce qui s'est passé au laboratoire. Et je sais maintenant ce qui vous rend spécial. Il a fait. Et maintenant à Lyon ! Méridiane est à moi. Je ne vous tolérerai pas plus longtemps. Une fois vos vaisseaux détruits, vous serez coincés ici. Le fond vert a un peu décalé, j'y dis. Capitaine, lancez l'IEM. C'est fait. Ah oui! Là. Hop! Non! Hop! Voilà! C'était quoi? Oui, ça va, Eretros. Oh, Eretros, le no fun, quoi. Allez, merci, Guest, pour le host. 3 heures après. Bon, allez, on va se battre contre le Krogan. Eretros, vraiment fun. Oui, alors vraiment, c'est pas on peut dire un hologramme parce que voilà, et puis bon. Ça va, ça va. Heureusement que Drac n'est pas là pour voir ça. On aurait bien besoin de ça, Arniola. Ah. Il va pas se laisser faire, celui-là. Restez pas sur son passage et balancez-lui tout ce que vous avez. Ah bah si, je sais pas. Allez, tu es là, là, cet enfoiré, là. Oh, il vient de se soigner, ce bâtard. Merci pour les follow, t'en es 30 secondes, hein. Je tue Mélenchon. Ah, c'est Mélenchon, c'est le programme. Va pas plaire à Drac, ça. 360 au scope. Raté. Putain, c'est compliqué. Touché. Attention, Kerts. Ok, c'est bon. La voie est libre. Ah, enfin. Bon, on a la carte. Ça, foutons le camp ici. On n'a pas intérêt à être là quand les armes se réactiveront. Ouais, alors attendez, je vais faire un truc parce que sinon j'aurai pas tous les follow. J'ai quand même oublié de le faire. Je vais dans le dashboard, je vais mettre le recent event.
Voilà, comme ça je vais pouvoir voir qui c'est qui follow, etc. Merci Sisto pour le follow, merci Mister Crêpe aussi. Gros bisous à toi, Mister Crêpe. Voilà. Tac. Du coup, que tu penses, j'ai pas encore reçu la clé, je te tiens au jus. Tenez, il y a pas de temps à perdre. Vous devez quitter ce vaisseau. Oui, bah j'ai compris, oui. Allez, con, on s'est arrêté là la semaine dernière. Attendez, pionnier. Je perçois des signes de vie Krogan sur le vaisseau. Il y a des prisonniers non loin d'ici. Ils doivent subir une exaltation. Ça pourrait être les autres éclaireurs disparus de Drac. Sam, est-ce qu'on a le temps d'y aller avant que les cartes rétablissent au courant? Si vous faites vite. Allez, go. Ryder, ici Raeka. Je suis au pied du mur. Je crois que je vais pas m'en sortir. Où êtes-vous? Près des cellules où ils détiennent plusieurs des miens. Ils sont encore en vie. J'ai ordonné au capitaine Ager de retourner sur l'arche. Vous auriez dû le suivre. Je ne pouvais pas abandonner les miens. Je devais essayer. Mais... tout est fini. Putain, l'enfer, quoi. Je vous dis adieu, pionnier. Bordel! Vous n'avez pas le temps de sauver tout le monde. Lorsque les cartes auront rétabli le courant, vous serez piégés. C'est la seule chance qu'il reste aux éclaireurs de Drac. L'Arconte va les changer en monstres. Rechargez vos armes. On va chercher Raeka. Allez. Pionnier, vous êtes venu? Raeka, on ne pouvait pas vous abandonner. Merci. Les nôtres se trouvent au bout du tunnel. Il y a des cartes tout du long. Dans ce cas, choix qu'il y a à faire. On s'arrête sous aucun prétexte. Allons-y. Oh ben oui. Oula. J'ai fait un backflip, lui. Indéfiniment. Je sais bien. Prévenez-nous s'il y a du changement. Vous serez le premier à le savoir. Terminé. Voilà comment ça marche. Oh putain de merde. Allez, allez. Ok, ça passe. Là, faut que j'arrête d'appuyer sur S pour valider à chaque fois. Oh putain. Rapide. Ils nous envoient tout ce qu'ils ont. On est de la viande fraîche. Il serait un plaisir de nous dépecer. Je mourrai pas comme ça. On manque de place. Visez bien. Visez bien, visez but. Putain, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça va péter! Ouah! Ouah! Non! Leurs armes seront bientôt réactivées. Bien sûr. Vous avez tous entendu? Allez. On en finit! Putain, mais bordel qu'il y a là-dedans, hein! Ah. Merci, Lacron, pour le follow. J'ai pas le temps. Voilà un cap qui ne se relèvera pas! Putain, mais. Oh! Elle doit tellement chier, quoi. Ah, j'ai plus de vie, là. Ah, on a réussi. C'était le dernier. Putain. Oh, nom de Dieu, quoi. C'est toi qui honteux, Retro, c'est casse-couille. Allez. Faisons-les sortir de là. Regardez-les. Ils sont traités comme des animaux. C'est bon, je peux l'ouvrir à la porte? Ok. Ça ira?
pionnier, les cartes sont sur le point de rétablir le courant. Tempête, on s'en parle dessus. Préparez l'extraction. Bien reçu. Merci, Ryder. Attendez qu'on soit tiré d'affaire. Nora, j'ai un trans. En même temps, tu parles concrètement de doublage honteux venant d'un mec qui aime pas Discord. Concrètement. Ah oui, mais t'as le droit de dire ce que tu penses. Mais j'ai droit aussi de pas être d'accord avec ce que tu dis. On y va ! Go ! C'est la casse si vous avez l'avis. Ryder, vite ! Il faut qu'on parte ! C'est partout parce que tu y jettes le novateur comme rotation chapeau. J'ai pas compris ce que tu as dit par là, néfaste. Mais t'es avec Merce, je pense pas. Tu crois, je pense pas. Après, bon. C'était pour lancer une vanne et être en son. Oh là là. Ah bah écoute, monsieur, Mr. Crêpe, concrètement, moi je suis assez bon public. C'est pour te dire que j'ai pas détesté Suicide Squad. J'ai pas trouvé excellent non plus, je trouvais que c'était un bon divertissement. L'équipe va escorter l'arche jusqu'au Nexus. J'ai joué à la première version de Mass Effect qui était vraiment Merci horrible encore, au niveau des visages, mais etc. Mais je vous dois des excuses, j'ai commis une erreur. Niveau graphisme, moi je trouve que ça reste dans le Mass Effect. Bon, c'est pas non plus super beau, mais tout ce qui vous est spatial. Vous avez dû faire un choix difficile par ma faute. Franchement, ça fait le taf, hein. Il faut pas vraiment non plus des trucs ouf de malade pour que ça marche. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Puis après, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à changer. C'est moi qui vous au niveau des Merci faciès humains. En tant que pionnier, après, le patch qu'ils ont fait, il est vraiment cool. Commun est flou. Vraiment. Je préfère les choses nettes. Moi, je voulais changer, je trouve plutôt cool, concrètement. Vous avez sûrement raison. En tout cas, le peuple galarien vous sera éternellement reconnaissant. Et puis, l'histoire, elle est très prenante, quoi. Voilà. Tâchez de le mériter. On ne vous décevra pas. Drac. J'ai appris ce qui s'était passé. Ça suffisait pas de sauver l'arche entière, hein. Fallait aussi récupérer une poignée de galariens en partant. Drac, c'est... Compliqué. Pas tant que ça. Abandonner mes éclaireurs, c'était pire que de les tuer directement. Et c'est pas vous qui devrez expliquer ça au reste du clan. C'était une décision difficile, mais vous avez remporté une victoire déterminante. L'Archonte ne s'en est pas sorti indemne. Votre père sera fier de vous. Je me suis donné du mal pour lui succéder. Non mais en fait, Néphas, j'ai pas du tout compris ce que tu voulais dire. Mais en fait, après c'est pas pareil, en marquant l'Archonte risque de devenir encore plus dangereux. Ou imprudent, peut-être. Votre père aimait déstabiliser les gens. Il disait que ceux qui en étaient dignes apprendraient à s'élever et à affronter l'adversité. Le fun. Et ceux qui en étaient pas dignes, ils s'effondreraient. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Attendez, je me battais avec ma poubelle. Voilà, c'est bon. Merde! Attendez. Une bêtise. Non! Merde! Sauf votre respect, Archonte, cette fascination pour Meridian ne peut perdurer. Mais arrête! C'est la clé de notre avenir, Primus. L'humain ignore tout de sa véritable puissance. Nous-mêmes n'en saisissons pas tous les aspects. Nos ordres sont d'exalter ce secteur, pas d'étudier les reliquats. L'exaltation. Votre jugement commence à être mis. En gros, il me paralysait que le critique que je lui ai n'est pas original. Mais pas besoin d'être original pour. Pourquoi tu veux être original alors qu'on. En fait, d'après toi, Néphas, si on a bien compris, il faudrait pas qu'on ait la même opinion que tout le monde. On ne peut pas avoir la même opinion que quelqu'un. Soit les sujets se soumettent à l'exaltation. Ça, c'était drôle, soit nous les exterminons jusqu'au dernier. Pionnier a ouvert. T'as fait une expression de dépit qui n'était pas laissée en digitesse. Non, mais en fait, je t'ai demandé ce que t'aimais pas avec Saturn, mais t'as pas répondu. Du coup, moi, ton premier message, je vois que. Pff. À nous emparer de Meridian. Voilà quoi. Comme toute créature inférieure, une bataille lui semble être une guerre. Ses faiblesses lui sont inconnues. Ouais, il me parlait pas, et moi, j'ai vu son message. Comme j'ai juste demandé ce qu'il voulait comprendre par là. C'est tout. L'Archonte a eu accès à ma mémoire.
grâce à mon implant. Du coup, j'ai rien suivi. Ça sonde est allé en profondeur. Nos connexions étaient sans défense quand Sam vous a tué. Ah ouais, c'est cool, c'est quand je suis mort qui... D'accord, ok. Il va voir l'importance que Meridian a pour nous. Il faut avertir le Nexus et passer à l'action. Ouais, en fait, j'ai fait un truc bizarre. J'ai fait vraiment le mieux que je pouvais. Hein. Pionnier, vous avez des holos en attente. J'ai des holos en attente. Ouais. Allez. Tyler, j'allais justement vous appeler. Tout va bien ? J'ai des chiffres, des coordonnées qui clignotent dans ma tête. Je crois que c'est un SOS que ma scène m'envoie. Ça pourrait venir de votre implant Sam. Ouais, je sais pas, un truc du genre. J'essaie de faire un truc potable. Il a trouvé des indices suggérant que le Natonos pourrait bien être intact. Bon. Quel genre d'indices ? Des modules de stase ont été largués depuis l'arche. Pense que il n'y a aucun survivant. Pour les suivants Andromeda, je vais reprendre le... Ça s'est produit longtemps après la collision du Natonos avec le fléau. Quelqu'un pilote encore ce fichu vaisseau ? Ou le maintient en état, tout du moins. Voilà les coordonnées transmises par mon implant. Retrouvez-moi là-bas. Des c'est moche, ça doit être plus beau que Witcher 3, c'est simpliste, c'est pour ça que je ne t'alerte pas, ils ont rencontré le social algorithme, pour une grosse config, je sois. Parfait. J'ai pas vraiment une très très grosse config, hein. J'ai une config assez moyenne, bon après c'est vrai que j'ai un i7-6700K, mais j'ai une 970, hein. Le jeu tourne en high, hein. Donc voilà. Je le fais en normal, voilà, cela. Bon, j'ai vraiment mes groupes d'assaut. J'ai pas mal de trucs à faire là. Tac. Échec. Ah putain. Et yeah, ça c'est cool. Ah, vétéran, pas mal. Yes. Alors 92, 84. Tac. 166, 70. Allez. 13, c'est hors de question. 92. Du coup, il faut combien d'équipes pour un autre? C'est 120. Ok. Pionnier, vous avez reçu un nouvel email. J'ai reçu un nouvel email. Donc, oh putain, c'est vrai, j'ai un PVA à utiliser. Un point de module de stase. Allez, je m'en fous. On a un point où j'ai tout récupéré par contre. Allez. Ouais, bien sûr, je comprends que ça vous dérange parce que le jeu est moins beau que un jeu sorti il y a longtemps. J'espère que les Galariens trouveront leur place sur le Nexus. Bienvenue dans Andromède pour apporter notre contribution. Évacuez votre stress. Ouais, Jal, Lexi. Vas-y, j'ai rien reçu de Pibi là. Putain. Bon, un bisou, un truc du genre. Eh, hey, ça va? J'ai des frissons rien que de penser à ce que l'Archonte voulait vous faire. C'était horrible de vous voir mourir comme ça. Je me trouve plutôt audacieuse et téméraire, mais vous... Je pouvais pas vous laisser remporter la médaille de l'audace. Je m'incline. Enfoiré. Tâchez juste de pas vous faire exalter, ok? L'autre fumier a l'intention de tous nous cartifier. Hors de question. Il en est pas loin, pourtant. Il a presque réussi avec les Krogan. Ça fait flipper. Et si on parlait d'autre chose, hein? J'aime quand vous me faites du charme. Je voudrais pas que vous arrêtiez. Toujours pas. Je vous ai fait du charme, moi? T'as toujours pas, hein. Saloperie. Vous en faites pas, Ryder. Ouais. Je suis infatigable. Ça me détend. Merci d'avoir pris le temps de discuter. A plus tard. Ça marche. Ça, c'est moi quand je passe bientôt 4 semaines à vouloir faire des trucs avec Pibi et qu'il se passe rien. Alors. Je mets rien par le dirigeant du Nexus. Ah, je vais voir le hamster, tiens. Non, je suis pas friendzone, je suis en couple avec Pibi. J'ai eu un bisou la semaine dernière. Bisous. Elle est toujours là, toujours debout. Salut, Sam. Bonjour, Ryder. Vous avez fait un choix délicat dans l'arche galarienne. Votre père avait une approche différente face à ces questions morales.
Décidément, tout le monde a un avis à donner sur la décision que j'ai prise. Même toi. Je partage vos actes. Je ne les juge pas. Alec traitait la mort comme un problème à résoudre. J'en ai maintenant été témoin plusieurs fois. La sienne et la vôtre. Et qu'est-ce que t'as appris sur la mort, grâce là, faut que j'aille voir les... Faut que je retourne au Nexus, j'ai pas mal de trucs à faire au Nexus, ça fait depuis le début du jeu, je suis pas retourné. Il va falloir que je regarde tous les souvenirs. La mort est-elle donc un aboutissement? Ou bien une expression interrompue avant qu'elle n'atteigne sa solution complète, sa réponse finale? Je vois pourquoi cela vous fascine. Ok. T'as, c'est compliqué des fois de tenir les postes. Merci, ça sera tout. Du coup, t'as fait deux sauvegardes... Je reviens sur le lit, non. Mettre un peu de musique pour l'étendre. En fait, du gros rap bien vénère, tu sais. T'as vu, tu mets ça dans le truc, attends. Là, ça. Niggas fighting over range, niggas won't be the game, but long little cheek for a little. C'est Delkiri. Ah, un plan cul, d'accord. Ah, monsieur fait un bon petit harem, quoi. Ok. La fête. Bon, on va continuer l'histoire. Hein. Soit on est au Nexus là. Ah non, on est pas au Nexus, on est au vaisseau de. Iconar. Allez, on va retourner au Nexus. Faut faire quoi dans le jeu? Bah. Faut. Trouver les arches, trouver des planètes. Enfin bon. Bah, le truc encore. Ah, Souvi, elle est homosexuelle? Attends, je comprends. Souvi, c'est la. Celle qui pilote le vaisseau avec. Le galérien, là. Allez, on va au Nexus. Alors. Merci Lord Chocolat. Oh putain, regardez tout ce que j'ai. Pour ton follow, merci beaucoup. Ah, suivi, d'accord, la copilote. Ok, okay, d'accord. Je sais que les Asari et le sexe, ils s'en battent les couilles. Ils sont, les Asari, c'est. Nous, on fait ce qu'on veut, c'est la fête, quoi. Après, t'as les. Putain, je sais plus comment ils s'appellent à chaque fois, là, la nouvelle race, là. Les Angara. Les Angara, eux, ils ont 36 oncles, 30 pères, 2 mères, une vraie mère, du coup, ils ont 10 millions de sœurs, de frères. Du coup, c'est un peu le bordel. Mais sinon, ouais. Sinon, ça va. Je souhaite la bienvenue sur le Nexus à tous nos pèlerins galariens. Votre voyage a été long, mais nous sommes ravis que l'Arche Parcero soit enfin arrivée. Merci de votre patience, tandis que nous tâchons de vous loger. À tous ceux qui doutaient de l'avenir, la preuve est devant vous. Les Galariens subsistent, et avec eux, le rêve. Ah, et voilà notre héros à tous, le pionnier Ryder. Auriez-vous un message à transmettre ? Squalala ! C'est génial. Allez. Je crois que mon équipe a trouvé son rythme de croisière. On s'en sort plutôt bien, je trouve. Un pionnier. Coucou, Jess. Exactement ce qu'il nous fallait. Nous l'avons bien choisi. Ryder mérite notre gratitude à tous. En attendant, je vous invite cordialement à profiter de tout le confort que le Nexus peut vous offrir. Excusez-moi. C'est vous notre sauveur? Non. C'est moi. Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je serais morte sans votre aide. Nous le serions tous. Maintenant, notre avenir est sauvé. Ah, merci Oturnos pour le follow. Salut Tom. T'es qui? Salut Blitzblizzard. Et il promet d'être radieux. Le plus dur est derrière vous. Eleus a beaucoup à offrir. Voilà. Il y a Jess qui arrive sur le bordel. Le découvrir. Salut Noah. C'est sûr, tout le porteur, ça ne pas la caisse. Voilà le pionnier Ryder. Et voilà.
Pionnier Rider, je peux vous parler ? Qu'est-ce que t'as encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai intercepté une cargaison non autorisée vers Kadara. Du matériel crucial. Rations, outils, accumulateurs. Ça correspond à ce qui nous manque. Quelqu'un se sert dans les stocks du Nexus et de l'Hyperion pour approvisionner les exilés. Ah. Si vous pouviez chercher des activités ou des cargaisons suspectes, ça m'aiderait beaucoup. Je verrai ce que je peux faire. Merci. La marchandise volée n'a pas encore été distribuée, donc Sam devrait pouvoir la détecter. Ok. Bon, on va avancer. Il y a un truc à faire juste derrière, une espèce de quête à la con. Oula, j'ai rien fait, c'est pas moi. Et nous sommes ravis d'aider vos gardes à ranger leurs armes. Pour l'instant, j'aimerais autant qu'ils les gardent. Vous comprenez ? Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Oh, pionnier, voici le chef de la délégation des Angara. C'est vous qui avez sauvé la Moshae. Elle nous a alors, il faut savoir que Blitz, je suis très connu pour niquer les pseudos des autres. Voilà. Bah, en même temps, c'est quand même un pseudo plus facile, tu vois. Tu mets chaise, ça je saurais le lire, tu vois. Chaise, je peux le lire, tu vois. Je saurais le lire, ça va. Je peux le lire, chaise, y'a pas de soucis. Mais bienvenue, ambassadeur. Blitz, la première bizarre, visite officielle des Angara entrera dans l'histoire. Bizarre YouTube, je pense. Nous verrons ce qu'elle en dira. Tu peux mettre des XX à la fin avec ton que les département. Armées ne sont pas nécessaires ici. Comment c'est encore plus long. Y a-t-il un problème, ambassadeur ? Accompagne-moi donc, pionnier. Il va y avoir une Oryx. Toutes ces vies, toutes différentes. Bah alors, Nvidia, calme-toi. Telles qu'elles auraient pu l'être. J'ai mis à jour Nvidia, le truc il y fait. A 75 non, ans, ne la fais pas maintenant. Abattu. Nous tentions de nous reconstruire après le fléau. Puis, les Kertes sont arrivés. Des aliens. Ouais, Blue Arrow. C'était extraordinaire pour nous. Mais ils nous ont ensuite trompés et fait de nous des esclaves. Vous comprenez donc ma méfiance. Votre peuple a beaucoup souffert, ambassadeur. Je comprends votre prudence. Malgré tout, votre initiative prouve que ce n'est pas une fatalité. J'aimerais tant croire en cette alliance, pionnier. La Moshae nous assure que vous êtes digne de confiance. Veuillez m'en convaincre. Les Kertes nous ont dans le collimateur depuis notre arrivée ici. Ça ne peut qu'avantager les Angara. Vous détourneriez leur attention pour nous ? C'est déjà le cas. Alors, autant que ça serve à quelqu'un. Ils vont confier leurs armes à votre milice, si cela semble acceptable. Merci. Vous ne le regretterez pas, ambassadeur. Pas à voir cette jave, je la rapproche. Bienvenue dans Andromède. Putain. La mouche arrêt, quoi. Du coup, maintenant, j'imagine une mouche à raie avec une grosse raie derrière. C'est très sexy. Ouais, ouais. Oh, putain, l'enfer. Bonjour. Mais la flore s'est adaptée à la présence du fléau. Certaines plantes... Salut, Eric. Des échantillons et des scans à ne plus savoir qu'en faire. Vous nous incroyable avez en service. Vous méritez bien cette récompense. Oui, 200 crédits. Youpi. Bonjour, pionnier. Vous auriez un moment ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, docteur ? Je rencontre un problème mathématique, des équations vitales que seul Sam saurait résoudre. Cela concerne d'étranges signaux de transmission au sein du fléau. Peut-être de simples interférences, derrière, mais c'est pompé, là, peut-être hein. Pas. Sam raffole des nouvelles expériences, et un petit exercice de maths lui fera pas de mal. Étant donné sa complexité et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc Sam. Je vous les ai enregistrés sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnier. Et remerciez aussi Sam de ma part. D'accord. Allez, ben on se casse. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, je peux passer par là. Allez ! Damn ! Ça, c'est une jump. Tomber la chemise, ouais. Et oui, dans l'espace, nous écoutons encore du Zebda. Cause tomber la chemise. Quel est le problème ? J'ai des coupures de courant dans toute la station, mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Ouais, c'est pas en regardant les plantes que... Vous êtes le pionnier. Ah d'accord. Désolé, ne faites pas attention à moi, vous avez bien mieux à faire. Du coup, c'est des plantes qui font des étincelles. Ça va sans dire, mais si je remarque quelque chose, je vous en informerai. C'est déjà ça, merci bien. Il y a un court-circuit par ici.
Vous devriez scanner la zone. Bah alors, on met les plantes entre leurs... Putain, alors ça aussi, là, regardez ça, là. Regardez ça, là. Bah alors... On bâcle. Il faut les réveiller, ça a assez duré. Calmez-vous bien le cul. Ah oui, mais non, c'est pas là. Il y a un truc là-bas, par contre. Allez, 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 allez. Nous avons réussi à repousser les cartes. Un lieu culturel. Oh, IV humaine et tout. Au revoir. Incroyable. Oh, c'est vraiment très enrichissant. J'ai tout compris. Alors. Putain, c'est vrai, ils ont pas de fraises. Oh, l'enfer. Allez, je sprint, j'ai pas le temps. Qu'ils entendent, qu'ils écoutent. Ah, ils sont encore là, hein ? Ou qu'ils partent. Le clan avant les bombes. Hé, qu'est-ce qui se passe ? La voilà, votre nouvelle galaxie. On fait de beaux discours sur les nouveaux départs, et pendant ce temps, vos enfants restent congelés. Bah oui. Et tout ça grâce à votre pionnier. Et alors ? Pardon ? Ça fait des mois qu'on attend que nos familles soient sorties de stase. Elles devraient déjà être à votre avant-poste. Mais comme vous faites passer la recherche avant tout le reste, les militaires ont été relégués en fin de liste. Mes frères de clan, par exemple. Avec toutes ces réaffectations, ils se retrouvent dans 10 groupes de colonisation différents. Et ma mère s'est retrouvée coincée en plein milieu. J'ai établi l'avant-poste, mais je n'ai pas choisi qui resterait en stase ou non. Vous n'en avez rien à faire d'avoir séparé des familles ? C'est pas ce que j'ai dit. Vous pourriez encore arranger les choses. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on sorte nos proches de stase. Vous pouvez sortir les gens de stase. Vous n'avez qu'à dire à nos dirigeants que vous ouvrez ces modules. Aujourd'hui. J'autorise le réveil de groupes de colonisation ou de certaines personnes en cas d'urgence. Je peux pas réveiller des dizaines de gens au hasard. On se moque de qui appuie sur le bouton. Nos dirigeants peuvent le faire à votre place. Ils accepteront si vous leur demandez. Oh là là. Mec, d'ailleurs, il est pas content. Je pense que c'est des ressortissants italiens. Ils parlent pas, ils sont juste comme ça derrière, tu vois. Bon, d'accord. Allez. Je vais voir avec les dirigeants ce qu'il est possible de faire. 14 mois qu'on nous fait des promesses. Il est temps qu'on voit des résultats. On a essayé. Je peux te mettre ta main dans ton pantalon ou dans ta bouche, ce serait pas mal aussi. Qu'elle aille se faire foutre. Commencez par Kandros. C'est lui qui nous a envoyé ces petits soldats. Il nous prendra peut-être au sérieux. Notre station, nos vies. Du nouveau. Libérez nos familles. Non, rien. Je suppose qu'on laisse. Quel enfer du cul. C'est un traducteur sourd muet. C'est un peu ça, ouais. Allez. Après un exil qui a beaucoup fait parler de lui, les Krogan font leur retour sur le Nexus. Les Krogan ont fait leur retour au sein de l'initiative, qui a accédé à leur demande de reconnaissance à rang égal. Nakmor Morda, chef du clan. Nakmor Morda. C'est facile à dire, ça aussi. Sa colonie sur Eladen. Alors. Il était temps. Vous êtes sur SIH. Oh, il était temps. Je peux vous parler, Ryder ? Ah bah oui. Salut, vous tombez bien, Ryder. J'ai trouvé quelque chose en surveillant les transmissions pour le Nexus. Ah. Il y a eu plusieurs attaques menées par un groupe appelé les Trois Sabres. Ils frappent des avant-postes et des vaisseaux de marchandises. Là, faut le qu'on plus s'occupe bizarre, des cartes et en plus c'est des connards. Oh là là. Comme s'ils recevaient des renseignements. Tu te souviens de la dernière fois que t'as demandé de l'aide ? Je jure sur le flingue préféré de Vetra que cette fois-ci, je mens pas. Et ah je oui, sais pas mais c'est la sœur de Vetra, je suis con. J'ai envoyé un rapport officiel. Ils arrêtent pas de dire qu'ils vont enquêter, et puis ils font rien. Mais vous êtes le pionnier. Si quelqu'un trahit le Nexus, vous devez faire quelque chose. Ils ont l'air de connaître nos opérations. Ça peut nous créer de gros ennuis. Il vaut mieux aller voir. Merci. Je savais que je pouvais compter sur yes, vous. Face vous êtes le meilleur pionnier de toutes les galaxies. Bien joué, Urturnos. Je sais pas où ils se cachent, mais j'ai les coordonnées de leur dernier pillage. Les scanners du Tempête trouveront peut-être où ils sont partis. Peut-être. Oh là, encore des sites à inspecter, mon cul et ma bite. Je veux pas tout sauver la planète, chercher du pain et des friandises, quoi. Les procédures d'amarrage de l'Arche Parcero sont terminées. Les colons galariens... Ah oui, j'ai récupéré une série de films. Putain, je suis allé chez Mega Upload. Désolé, un bras cassé, c'est plutôt parlant.
Elle est tombée. Le docteur dit que c'est une fracture tibiale du dégât. Kandros, Kandros. On est en train d'installer l'arche galarienne. Les gens n'arrêtent pas de demander des nouvelles du Natonos. Alors là, partenariat Twitch, le secteur est vaste. On le retrouvera. Pourquoi tu dis ça ? Mais il faut que je vous dise, d'après nos renseignements, l'Arconte est en rogne. Vous feriez bien de prévenir votre équipe. Il faut que je vous parle du réveil post-stase et de ses contestataires à la ferme hydroponique. Oula ! Je ferais peut-être mieux d'appeler les autres. Tes contestataires occupent la ferme hydroponique ? Que leur famille sorte de stase. L'avant-poste des hauts a perturbé le planning. Des dizaines de gens éparpillés dans différents groupes de colonisation. Les contestataires veulent que ce soit réglé aujourd'hui. Les réalités de nos fonctions... Ah, on peut pas se sauver la chaîne ? Ces familles. On n'a pas les ressources nécessaires, ni d'endroit où les loger. La situation vient à peine de stabiliser, et ça va encore mettre le bordel dans le planning. C'est pas vous. Qu'est-ce que vous proposez ? Laissons les familles en stase, où elles ne risquent rien, et délogeons ces contestataires de la ferme hydroponique. Les exilés aussi semblaient avoir une cause légitime. Nous ne pouvons pas risquer une autre révolte. La survie prime sur les réunions de famille. Ouais, comment voudriez-vous régler ce problème ? J'enverrai une équipe pour les faire sortir, sous la menace d'une arme si nécessaire. Ceux qui résistent finiront peut-être à l'infirmerie, mais ce sera toujours mieux que de perdre la ferme ou le Nexus. D'après vous, ces contestations pourraient devenir violentes ? Nous sommes tous des colons, et même les civils sont assez coriaces pour tenter quelque chose. Et en bloquant la ferme hydroponique, ils mettent en péril notre production d'oxygène. Ils en sont conscients. Ouais, ils sont casse-couilles. Il faut considérer la situation dans son ensemble. Mettons-les dehors. Kandros ? J'envoie une équipe, mais ça se passera sans doute mieux si... Allez hop, vous avez qu'à pas voter... Parfois, il faut annoncer de mauvaises nouvelles. Vous avez qu'à pas voter Marie en 2017, allez hop, dehors, ça vous apprendra. Message sécurisé, pas le temps, moi. Des renseignements. Ah. Image de caméra d'armure demandée. Votre attention, on nous signale un mouvement de désobéissance civile à la ferme hydroponique. La sécurité enquête sur ces événements. Alors... Salut Wima, je peux faire pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous chuchotez ? Je prépare une surprise pour la surintendante Kesh. Elle se plaint constamment du manque d'alcool fort dans nos réserves. Bor Kadara est plutôt réputé pour ses mélanges maison bizarres. Ouais, ils sont censés mettre facilement KO. Ah. J'aimerais que vous m'en rapportiez, mais discrètement. Vous savez que les Krogan ont l'ouïe ultra développé, hein ? Quoi ? Merde ! Oups. J'espère que vous trouverez quelque chose. Sauf que la porte est grande ouverte. Mais bon. Kesh qu'est là, on s'en fout de Kesh. Hop ! Oui, qui veut me parler ? Bonjour. Citoyen inquiet. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous affrontez régulièrement les Kert. Nous, on entend que des rumeurs qui les font passer pour des monstres. Peut-être que c'est juste un problème d'incompréhension. Vous pensez qu'on pourra faire la paix avec eux un jour ? Non. Les Kert ont l'air plutôt bornés. Alors, ce serait plutôt à nous de changer ? Si on les laisse faire, ils nous transformeront en Kert aussi. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ah, je vois. On doit continuer de se battre, alors. Merci de m'avoir répondu. C'est tout ? Va faire la paix ? Bah sinon, tu mets des grosses aiguilles dans le cou et tu deviens un Kert. Ah oui, effectivement, c'est... Ah non, non, moi ça va. C'est encore moi. Oui, hop. Bon. Ils vous attendent. Faites attention. Ouais, Évidemment que vous êtes d'accord. Ryder a sauvé votre peuple. Ryder a sauvé notre peuple. Peu importe qu'il s'agisse de Galariens, c'était des citoyens de l'initiative avant tout. Mais ça vous arrange qu'il y ait un peu moins de Krogan dans les parages, hein ? Oh putain, c'est vrai que... Oh là là. Le pionnier. Ryder, on parlait de la façon dont les choses se sont terminées avec l'Arconte. Kesh, j'ai dû abandonner des Krogan, c'est vrai. J'en suis vraiment désolé. Dans cette galaxie, j'aurais espéré que toute vie ait son importance. Même celle de quelques Krogan. Mais j'ai quand même une question. Qu'a-t-on gagné en provoquant l'Arconte de cette façon ? Il avait une carte indiquant l'emplacement de Meridian. Désormais, nous l'avons. Ainsi qu'un bref créneau pour le Giron. J'ai l'impression d'être sur Internet. Il n'y a jamais quelqu'un qui est content. Si nous arrivons à le faire fonctionner, tous nos problèmes sont réglés. Sur quelles informations vous appuyez-vous ? Toute cette science nous est inconnue. Le caveau sur Aya suggère que Meridian est la clé de tout. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour nos groupes d'assaut, mais on n'est pas équipé pour une guerre contre les Kert. Ils vont défendre Meridian de toutes leurs forces. Voilà comment on va les battre. L'Arconte ne sait pas comment activer Meridian. Il ne peut pas contrôler cette technologie.
Moi ? Merci, Lorune. Les caveaux, peut-être. Mais nous ne savons pas si Meridian fonctionne de la même manière. Et attaquer les Kert, si c'est pour vous rendre compte que vous aviez tort... Typique. Et puis, il y a votre Sam. On a pris un risque en laissant l'intelligence artificielle s'impliquer. C'est vrai que mon intelligence, elle ne voit pas. Ça m'inquiète un peu de constater... C'est vrai que c'est un bon atout. C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas appuyer votre plan, Ryder. Moi, si. Ah ! Ryder mérite de pouvoir tenter sa chance. C'est un beau geste, mais c'est moi, votre supérieur. J'espère que c'est assez clair. Qu'est-ce qu'il y a, Atan ? Vous avez peur que quelqu'un vous fasse de l'ombre ? Ce projet ne s'appelle pas l'initiative des pionniers. La voie hiérarchique doit être respectée. Bah ferme ta gueule, alors ! C'est qui le pionnier ? Ça devrait même pas m'étonner. C'est pas comme si j'avais un plan B. C'est moi ou d'ailleurs, ça fait de la merde, là ? Veuillez m'excuser, pionnier. Il y a un message urgent pour vous. Votre sœur s'est réveillée. Oh ! Quoi ? Allez-y. On discutera plus tard au labo technique. Ah putain, d'accord, le mec est tellement pressé que je suis directement dans le module, quoi. Il est un peu comme ça. Hop là. Oui, l'enlacer. Dans mes bras. Et là, il lui pète la colonne vertébrale. Ça fait plaisir de te revoir. Oh, mon frère. Ça fait plaisir de voir, tout court. J'ai bien cru que je me réveillerais jamais. J'avoue Best que tu m'as manqué. Alors, je sais que je suis hors des choix. On en a vu des vertes et des pas mûres pendant que tu dormais. Pardon de ne pas avoir été là quand papa est mort. Personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. J'ai même hésité à te le dire. Tu as bien fait. Ça m'a laissé le temps de digérer ça. Il va me manquer. Mais je sais qu'il serait le premier à dire « Oublie ça et mets-toi au boulot plus vite que ça. » Oui, j'ai eu de quoi m'occuper. Je n'en doute pas. Monsieur le pionnier. J'avais pas le choix. Parce qu'en fait, Eretros, on a fait 600 ans de voyage et du coup, les gens alors. Tu m'as dit qu'on avait trouvé un foyer. Je sais, tu voulais bien faire. Mais plus de mensonges, d'accord? Je suis assez grande pour supporter la vérité. À ce qu'on m'a dit, tu vas avoir besoin de toute l'aide disponible. Ouais! Là, t'as sorti du coma, elle se lève, genre, on sent pas les couilles. Vous n'êtes pas au service, jeune fille. Votre tête de mule a besoin de temps pour te calmer. Là. Tu veux bien te détendre un peu pour une fois? Il restera encore plein de montagnes à escalader à ton réveil. Ah, merci. T'as intérêt à me laisser la plus haute. Tiragondin. Si vous voulez encore discuter un peu, pas de problème. Mais on ne sort pas du lit. Ah, on ne sort pas du lit. Ryder, ici la pionnière Raeka. On a un plan pour Meridian. Merci de passer au labo technique dès que possible. Entendu. C'est pas vrai. C'est foutu, exilé. Salut. Tu te demandes sûrement où en est la situation. Ouais, je me sens un peu coupée du monde. Je sais que tu es pionnier, mais c'est à peu près tout. Ouais. On t'a aussi proclamé président de l'univers. Désolé, c'est impossible. L'élection est demain et je viens m'assurer que j'ai le soutien de tous les patients comateux. Votez pour Ryder. Ha ha. Et sinon, quoi de neuf ? Quel con. Je te résume. On a trouvé un réseau de terraformation alien qui s'étend dans tout le secteur, et on va le réactiver sur une planète nommée Meridian. C'est ça. Oh ! Et c'est tout ? Non, il y a aussi une race d'aliens nommée les Kert qui veulent tous nous assimiler. Et leur chef qui se fait appeler l'Archonte... Tu peux éviter de spammer, Enrico. Eh ben, j'ai peut-être eu raison de faire une D'accord, en fait, Enrico, il est en train de faire un AVC sur son clavier. Il faut que je te dise. Enrico, si tu commences à baver, n'hésite pas... À sortir ta langue déjà, en prévision. Ça, mais beaucoup ça, c'est plus quand tu vas commencer à tomber en fait. Et son lien avec papa et avec moi maintenant est bien plus puissant que les autres, Sam. D'avaler ta langue en fait. Qu'est-ce qui manigançait ? Voilà. Papa a encodé des souvenirs dans la mémoire de Sam. J'ai commencé à les déverrouiller. Pour qui vis-je ? Quel souvenir ? Maman qui appelait papa à la citadelle pour lui annoncer qu'elle était malade. La pauvre. Oui, bah écoute, allez hop. Voilà. C'est encore de comprendre ce que ça veut dire. Je me disais qu'on pourrait parler de papa et maman. Ouais. Tu voudrais peut-être savoir comment papa est mort. Je me demandais, oui. Sur la première planète qu'on a visitée, il y avait un processeur d'atmosphère défectueux. Papa a réussi à le neutraliser, et il nous a sauvés. Mais il y a eu un accident. Mon casque s'est cassé, je ne pouvais plus respirer. Alors papa m'a donné le sien. Il s'est sacrifié ? J'ai toujours eu du mal à le cerner. Il pouvait être tellement distant. Il faut croire qu'il nous aimait plus qu'on le pensait.
Toutes ces fois où je lui ai crié dessus, petite. T'étais pas la seule. Mieux vaut garder ce souvenir-là. Ouais. Tu te rappelles comment ils se sont rencontrés? Bon, là, c'est la phase chiante. C'était quand il était en formation N7 sur Terre et qu'elle faisait de la recherche sur les implants biotiques. Il essayait désespérément de jouer les bad boys en uniforme, sans grand succès. Mais elle a trouvé ça craquant et elle est allée lui parler. Papa a dû sortir deux mots et c'est elle qui a fini par l'inviter à dîner. Sacré dragueur, papa. Il est ensuite allé combattre dans la guerre du premier contact. Et quand on est né, il a été affecté à la citadelle en tant qu'attaché. Tu te souviens des travaux de maman en recherche biotique? À l'époque, les pouvoirs biotiques étaient un mystère total. Elle concevait des implants pour aider les gens. C'était une avant-gardiste. Ah, elle faisait des implants biotiques. C'est ce qui l'a rendue malade. L'exposition à l'ESO a engendré toutes sortes de maladies étranges. Ah bah oui, bah c'est vrai. Qu'est-ce que tu te rappelles de ton enfance à la citadelle? Comme celui qui a inventé une cité spatiale gigantesque, remplie de toutes les sortes d'extraterrestres possibles et imaginables. Je me souviens d'avoir essayé de jouer à cache-cache avec des anarches. Enfin bon. Et que ce n'était pas juste parce qu'ils pouvaient flotter. Cette personne est morte en... Avec le recul, c'est sûrement pour ça que je suis là. La citadelle m'a montré l'extraordinaire immensité de l'univers. C'était la minute science. Tu penses maman, souvent à maman? Comment? Non, non, je l'aimais pas, c'est une salope. Quand je me suis réveillée, l'espace d'une seconde, j'ai oublié qu'elle était morte. Je l'ai cherchée, et puis je me suis souvenue. Papa m'a parlé d'elle, avant qu'on parte pour notre première mission. Il ne le montrait pas, mais il n'a jamais arrêté de penser à elle. Il n'était plus le même après sa mort. Ah! Ah ben voilà, toutes mes émotes ont été validées. Yes. Attendez, bougez pas. Elles sont mes émotes, là. Il faut que je la il y en a une que je dois refaire là. Attendez, bougez pas. Hein. Nous les émotes qui sont arrivées, elles sont où? Ah voilà. Yes. T'as jamais le mal du pays? Tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est cette infirmerie. On pourrait encore être sur Terre, je verrais pas la différence. Mais oui, avant la stase, ma vie me manquait. Ou du moins, l'idée que je m'en faisais. Qu'est-ce qui te manquait le plus? La recherche d'artefacts protéins. Je faisais partie d'une unité spéciale experte en archéologie interstellaire et mandatée par l'Alliance. Ma mission, c'était de découvrir de nouveaux artefacts et d'en tirer un maximum de connaissances. Et on me payait pour ça. Bah déjà, trop, si vu qu'on te voyait plus souvent. J'aurais mené une vie de rêve. Merci à... Ah merde. Putain, je vois pas ton pseudo, parce que le truc il est derrière. Excuse-moi. Joseph. Merci pour le follow, CF. Qu'est-ce qui n'allait pas en réalité? Maman n'était plus là déjà. Ça c'est rétros quand il voit que si j'ai mis une mode un gaz sur et son papa. Twitch. Et ses travaux avec Sam sont complètement illégaux. Il voulait la sauver. Peut-être que l'initiative fermait les yeux, mais pas l'Alliance. Après son renvoi, dès que les gens apprenaient que j'étais sa fille, ils me claquaient la porte au nez. Et c'est un peu dans la Voie lactée, j'ai bien travaillé. Le leader était promis à un avenir fait de déceptions et de rêves brisés. Bon, ça, j'en ai chié parce qu'en fait, tu vois, sur les côtés, il y a trop ouais, de lumière. Rien de tel qu'une longue sieste. Du coup, j'ai dû jouer avec la lumière pour que ça. Ça devrait plus être très long. Bien regardable, bien. Je vivrai tes aventures par contre. C'est ça, j'ai plus chié à ça. Gaz, ça m'a pris 10 minutes. Ouais, j'ai un ami, moi aussi, j'ai un ami, Oh, mais attends. Il s'agit de marchandises volées. Je vais prévenir le responsable des quais. Heureusement, notre chenille leur a poté les fesses et a trouvé les gars. Pourquoi t'as pas d'émote? Parce que c'est une émote, de mon stream à moi. Un ouvrier perdu dans l'espace lors de réparations sur la... Ah, mais c'est parce que c'est Noël, faut que tu refreshes. Son nom sera divulgué une fois sa famille de la Voie lactée informée. Bah oui, j'ai des amis à Barbie, t'as un problème. C'est parce que tu es sergent chef que c'est la fête, hein. Calme-toi bien le cul. Que le boule. Ne faites pas ça, madame. Sinon, vous allez me tirer dessus. Bonne chance pour expliquer ça à mes petits-enfants. Un problème? Elle menaçait toutes les plantes. Elle voulait débrancher le système d'arrosage. Il paraît que les merci dirigeants refusent de réveiller nos familles. Pour le follow. Eh bien, voilà jusqu'où on est prêt à aller. À eux de décider. Je sais que c'est dur, mais pour le bien du Nexus, il faut que vous fassiez preuve de patience. On attend depuis longtemps déjà. Quel âge est-ce que j'aurai quand ma mère sortira enfin de stase?
Tout doux, petit. Le pionnier n'a pas tort. J'irai chercher de l'aide à Port Kadara s'il le faut. Là-bas, peut-être que quelqu'un voudra bien faire quelque chose. Oh, pense à ta mère. Tu veux qu'en se réveillant, ta mère apprenne que tu t'es exilé? Ou que t'es mort? Je... Ah! Rhys, ne fais pas ça. Ce serait la pire des choses à faire. Même la plus longue attente de notre vie vaut toujours mieux que ça. Quand nos familles entendront parler de ça... Elles seront sûrement d'accord avec le pionnier. Vous n'avez plus rien à faire ici. Boum! Venez. Allez hop! Ça c'est fait. Oh, comment il a clashé, frère! J'aurais pas kiffé, hein. Alors, il y a une quête, là. Salut à tous. Ah oui, mais je crois qu'il y a le triple quart de Guild, là. Attends, je vais sauvegarder. J'aimerais vous demander quelque chose. Citoyen inquiet. Mec, t'es tout noir! Je vous écoute. Vous êtes allé sur Kadara. Vous y avez vu les exilés. Qui m'appelle? On était tous ensemble avant. Ah, c'est le seul Terre Laurent. Des amis, de la famille, des collègues. Allô, Bruno? On est beaucoup à s'inquiéter pour eux. Il paraît que c'est le chaos, là. Je peux te rappeler plus tard, je suis en train de streamer, là. La vie est rude. Ils doivent constamment surveiller leurs arrières et être prêts à tout pour survivre. C'est terrifiant. Malgré ce qui arrive, Bérangère, je pense plutôt. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Bérangère, tiens, prends le père Laurent au téléphone. Je t'aime quand même, hein, Bruno. C'est pas que je t'aime pas, mais bon. Voilà. Voilà. Ravi de vous revoir. Hey, je me demandais si vous pourriez me donner un coup de main. C'est pour le bar. Allez, enfin, barman. On a bien des gens qui essaient de nous donner un coup de main, mais nos ingrédients sont assez limités. Cet personnage secret pas débloqué. On vous laissera les goûter gratuitement. Ah, nice. Ah ouais. Quelque chose me dit que ça va donner des tests intéressants. Elle a le... Ouais, je vous l'alcool, en faites moi. Pas. Dutch se plaint beaucoup, mais au fond, il adore ça. Et c'est le meilleur chimiste que je connaisse. Y a rien à craindre. Cool. De l'alcool. De la l'alcool. Ah, Gil. Au fait, Ryder, grande nouvelle. Je me suis peut-être trouvé un but. Ah ouais? Quoi donc? Vous matez au poker. Je distribue. Ryder, je peux analyser les signes vitaux de Gil et vous donner un avantage si vous voulez. Oui. D'accord. Le pionnier a parlé. Vous êtes plutôt doué, dites donc. Vous m'aviez caché ça? Ne faites pas l'étonner. Le poker m'a coûté plusieurs amis au fil des années. La seule qui joue encore avec moi, c'est Jill. Oui, je sais. Jill et Gil. Elle est pas du genre à abandonner. Jamais. T'as la colle, c'est de l'eau. C'est le mec qui boit de l'eau pour la première fois de leur vie dans 600 ans. Oh là, Jill est experte en fertilité. Chef du CRC de l'initiative et ma seule vraie amie de ma vie d'avant. Je crois qu'il me fout à poil, Halloween, hein. Je bon, suis. Quoi. Le CRC? Le comité de repopulation coloniale. Elle me dit toujours que je lui complique son boulot. Que si je ne me reproduis pas, je contribue au problème. On a une drôle de relation, tous les deux. D'accord. Je trouve ça un peu irrespectueux. Ça vous dérange pas? Elle est comme ma sœur. Elle me soutient sans condition aucune. On aime ce elle est contre les homosexuels. Faut que je vous la présente. Elle trouve que c'est contre nature. Elle est géniale. Je relance 200. C'est du bluff. Je suis. Oh, joli. Vous m'avez Mais comment ils peuvent voir les cartes qui accèdent en plein milieu? Tant pis pour ma série victorieuse. Je m'incline, Ryder. Bien joué. J'ai plus qu'à trouver un autre but à ma vie. Le grand champion est tombé bien bas. Jubilé donc. C'est mérité. Jill va bien se payer ma tête quand elle saura que vous avez gagné. Je répondrai que ça en dit long sur cette Merci talents. Lily. Aïe 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 aïe. Merci pour la partie. Merci Lily pour ton feu. Et bien, à toi. Allez hop, on n'a pas foutu à poil, Gil. Il apprendra. Alors. Oui, d'ailleurs, je fais du beatbox. Je fais les bar mitzvahs, si vous voulez. J'ai une envie de faire pipi. J'en ai envie de mourir. Il va être en train de s'engueuler avec je sais pas quoi là. Salut Andra Garibaldi. Intéressant comme endroit, hein. Tous ces sourires et ces poignées de main. Y a pas beaucoup de soldats. Et pourtant, quand les politiques font la paix, c'est avec nous, les soldats, qu'ils la maintiennent. Les politiques ont tendance à devenir nerveux en présence d'armes plus puissantes qu'un œuf pourri. C'est oui. Pareil chez vous aussi. La vie des militaires est la même partout, on dirait. Ouais, mais on s'est pas présenté. Je vous connais, pionnier.
Moi, c'est Andraknor. Je suis un escarl de la Résistance. Un escarl ? Et il y a des siècles, les escarls étaient des sortes de forces spéciales qui défendaient les colonies. D'accord. Leur art se transmettant par tradition orale. J'ai appris que ce genre de tradition n'était pas étrangère à la Voie lactée, et que votre père avait suivi un entraînement similaire. Le N7. Qu'est-ce que vous savez sur le programme N7 ? On entraînait des soldats humains dans des mondes exotiques. Arcturus, Europe, Rio de Janeiro. Ils apprenaient à se battre dans tout type d'environnement, privés de vivres et de sommeil, à soigner leurs blessés, à commander. C'est bien ça, non ? Votre père n'était pas l'un d'entre eux. Mission commando. Il a été l'un des premiers membres du N7. C'était une de ses plus grandes fiertés, même s'il n'est pas resté. Ça l'a pas empêché de nous apprendre quelques trucs à ma sœur et moi. Donc vous avez acquis certaines de ses connaissances, en plus de votre entraînement de pionnier. Le programme N7 serait utile à mon peuple. La tradition des escarles pourrait être utile au vôtre. Oui. Qu'est-ce que vous diriez de quelques épreuves ? Montrez-moi ce que valent vos compétences dans un entraînement d'escarles. Ce sera un défi intéressant pour vous et un bon apprentissage pour moi. L'opportunité de travailler avec l'élite des Angara ? Sans hésitation. Excellent. Je vais activer nos balises d'entraînement. Votre première épreuve sera de les trouver. Je pourrai ensuite commencer à apprendre de vous. Alors là... idée. En Ardèche, on fait que bouffer. Parce que mon père, il m'appelle juste pour savoir. Ouais, tu veux bouffer quoi ce week-end ? L'apéro est au cul, là. Typical Père Laurent. Oui, bah oui, je le rappelle, je dis quoi. Ravi de vous voir, Ryder. On travaille avec le docteur Aridana et son équipe sur un moyen d'atteindre Meridian. Ah. Nous pensons avoir la solution. Ah. Je vous écoute. Il s'agit d'une nouvelle technologie Béranger, que nous avons gens baptisée qui sur le Orage Fantôme. À l'approche de Meridian, nos vaisseaux pourront se faire passer pour le Tempête. Les Kert ne pourront pas détecter le vrai. Ça perturbera leur capteur et éloignera leur vaisseau de vous. Ça devrait vous faire gagner du temps. Fais l'animation pendant 2 minutes. Bonjour tout le monde. Ah, il est là le chat. Bonjour. Comme vous voyez, je suis en tenue de travail. Hein, avec le magnifique suite par le temps qui court. Il fait pas beau. Salut Niskar. Salut Blair. Et salut tout le monde. Bon, Pourquoi il y a un chinois là? C'est toi le chinois? Pourquoi il est chinois? Ah d'accord. Ah, ou on dirait un peu malgache. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est le malaise un peu, hein. Malaise TV. Malaise. Malaise TV. Je suis que la stagiaire, hein, moi du coup, voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, je connais pas le jeu, voilà. Béranger, est-ce que tu veux un pot de pisse? Non, merci. Je connais même pas elle. Voilà. C'est Bibi. Ah, trop bien. Ok, bon, bah on achète. Oh non, non, j'achète. Oui. Un peu, là. Oui, bah c'est toi qui as acheté. Voilà. Oui, il faut rendre à César ce qui est à César. La la la. Ouais, c'est les mercredis avec Béranger. Ouais, il y a des bruits incessants. Merci blablabla pour le follow. Ah mais c'est le... Ah mais c'est ça. C'est le follow, le... Bip. Oui. Oui. Oh là là. Ok. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein. À bientôt. Et puis, la bonne journée. Voilà. Tiens. C'était bien. Ah, c'était génial. Comment était ta première expérience devant... J'ai adoré. Devant 119 personnes. Bah, c'était bien. Il n'y avait pas autant de personnes, hein, pour les mercredis avec Béranger, j'avoue. Peut-être on a pu jouer avec ça. Hein. J'y ai pas pensé. Ah, c'est triste. On peut faire ça aussi. Non, mais tu le fais mieux que moi. Ok. Bon, il faut appuyer sur un bouton, quoi. Bon, allez. Alors. Non, je dis à son Pluton Nesnou Béranger. Bah, ben, ça, typical, hein. Il me faut rien de plus. Ça devrait suffire à nous donner un avantage. Le reste dépendra uniquement de vous. Je devrais m'en sortir. Comme ça veut dire aller à l'encontre des ordres de l'initiative. On sera tout seul. Merci, on est seul, on t'en follow. Entendu quoi? Nous avons passé la journée à collecter des données dans des tableaux gamma.
Les risques du métier. Les pionniers doivent être prêts à s'y exposer. Si encore ils nous payaient de temps en temps. Clash. Il y a peu de chances que ça arrive après ça. Vous allez devoir étudier la technologie Orage Fantôme pour commencer. Ensuite, on se retrouvera à Meridian. Orage Bonne Fantôme. Chance. Je sens que c'est chiant, ça. Cela se doit principalement au fait que la technologie Kert semble être imitative. Elle emprunte aux autres pour se parfaire. C'est un schéma relativement courant. Observer, conquérir, assimiler. Ouais, un peu comme les plagiaires sur YouTube, quoi. En fait, les plagiaires sur YouTube, dans... Enfin, les plagiaires, en tout, quoi. Il faut s'attendre à ce que les... Ce sont des Kert, en fait, dans le futur. Quoi, les sons, quels sont. Ah, mais la discothèque, d'accord, oui. Salut, j'appelle pas ma mère. Vous savez, faut que j'aille voir les souvenirs. J'ai 36 points, je les ai toujours pas mis. Alors. Tâches supplémentaires, on s'en fout. Là, on s'en fout des tâches. Mission d'Alius sur le Nexus. Ah! Faut que je trouve où c'est en fait. Ok. Oui, je voulais rassurer de mon père, oui. Je me suis cassé le cul à tous les ramasser. Mon habitation, ça doit être là, logiquement. Rivalité et lutte de pouvoir dans le port des exilés de Kadara. Après un affrontement acharné contre leurs rivaux du collectif, les insurgés ont désormais pris le contrôle de Kadara. Le chef du collectif, surnommé le Charlatan, a été identifié comme étant Reyes Vidal, un contrebandier notoire. Alors que Vidal a pris la fuite, Sloane Kelly et ses insurgés renforcent la sécurité là, sur Kadara. À droite, non. Vous êtes sur SIH. Voilà. Ryder, l'un des souvenirs de votre père. D'accord, on s'est un peu chié, là, donc du coup... là, on va se faire chier. Le docteur Aridana du labo technique a envoyé des équations qu'elle voudrait que tu résolves. Je suis prêt. Je te les transfère. Amuse-toi bien. Hein ? Qu'est-ce que... Sam ? Code malveillant détecté. Veuillez patienter. Sam ? Tentative d'annulation du code malveillant. Veuillez patienter. Ah, la salope. Tu peux faire quelque chose ? Sam ? C'est encore une défaillance ou... Sam ? T'essaies de me montrer quelque chose ? Non, c'est pas le bon ordre. Ah. Non, c'est pas le bon ordre. Ok. Ok, je crois que c'est bon. D'accord, j'ai pas eu le premier en fait. Sam, parle-moi! Bonjour, pionnier. Veuillez démarrer la console pour rétablir les opérations normales. C'est pas le virus. Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Les équations contenaient un cheval de Troie. Un virus, spécifiquement conçu pour rompre notre connexion et me neutraliser. Il aurait été impossible de me reconnecter. Comment tu te sens? Tout va bien? Je ne ressens pas la douleur. Cela dit, je préférerais ne pas renouveler l'expérience, ce qui est le rôle de la douleur chez les êtres organiques. Déverrouille la porte. Allons au labo pour demander des explications au docteur Aridana. Aridana, on va lui péter sa gueule. Bon, déjà... Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du retour de vos parents sur Terre, suite au diagnostic de la maladie de votre mère. C'est très simple. On prend ça. Qui ? L'IA, je l'ai appelé simulateur adaptatif matriciel. Sam. D'accord. On se sert de tes recherches avec un implant relié à Sam. Mon travail sur les implants biotiques était prometteur. Mais ça... Mais voilà pourquoi qu'il a un peu basané mon perso, regarde la mère. Alec. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Ça s'aggrave. Alors n'hésite pas. Ça va marcher. Sam te sauvera. Alec, je suis pas une guerre que tu dois gagner à tout prix. T'es plus un N7. Ça ne veut pas dire qu'on... Ils t'ont déjà viré de l'Alliance à cause de ça. C'est de ta vie qu'on parle, là. Alec, tu t'es jamais dit que mon heure était peut-être venue? Je suis humaine. Mortelle. C'est comme ça. Hélène, arrête.
Je ne peux pas accepter. Hélène. Ni que les enfants perdent leur mère. Elle s'appelle Jack Hélène. Je n'ai jamais eu père. Et elle est morte sur la terre. Il ne gagnerait pas. Comme bon les autres. Alors c'est Sam. Il parle. Bonjour Hélène. Quel est le comble pour un dentiste? De vivre dans un palais. Les algorithmes humoristiques, c'est un art subtil. Le problème vient peut-être du prof. Ça semblait tellement réel. J'ai dû mettre ça. Ma mère était juste là. C'est la première fois que je rencontrais Hélène. Mon apprentissage de la mortalité humaine a commencé ce jour-là. Votre mère avait l'air prête à mourir. Mais mon père n'était pas prêt à l'accepter. Ma mère essayait seulement de le préparer. Même si tous les êtres humains expirent tôt ou tard. Ouais, et quand il s'agit de quelqu'un qu'on aime, c'est pas aussi simple. Je commence à comprendre d'où venait la détermination de votre père. Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Vos progrès dans votre rôle de pionnier ont déverrouillé un nouveau souvenir. Ah. Voyons ça. Ce souvenir porte sur une réunion de famille sur Terre. Putain, on va se voir petit. Cool. Miracle. Le clan Ryder est enfin au complet. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Ah. Au plus. En tout cas, je suis ravie. Vous m'avez vraiment manqué, tous les deux. Comment ça va, maman? Oubliez ça tout de suite. La seule règle de cette visite, ce sera qu'on ne parle pas de moi. Je me porte très bien. Et le reste du temps, j'ai mes cachets. Ok? D'accord. Bien. Et si on parlait d'autre chose? Alec? Oui, les buteurs, regarde son Sam. Allez. Eh bien, vous avez l'air plus grand. Ouais, jusque-là, rien d'anormal. Oui, je sais. Donc, j'ai entendu dire que l'Alliance préparait un nouveau Mako. Ouais, celui-là pourrait être largué d'un vaisseau. Tout juste. Il paraît qu'on en aura peut-être un pour notre prochaine mission. Tu explores toujours la travée de Natick ? C'est incroyable. On a peut-être trouvé un site protéin. Pas d'artefact, mais on continue de creuser. Je me souviens de la découverte des premières ruines sur Mars. Ça a tout changé. On tenait la preuve de l'existence des aliens. Il ne restait qu'à les trouver. Oui. Tous les matins, quand je me réveille, je regarde un relais gravitationnel et je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Continuez. Dès qu'on arrête de se demander ce qu'il y a derrière la montagne, on perd une partie de soi. Aucune chance. C'est dans notre sang. Tu nous l'as transmis. Allez. C'était comment, papa? En sachant qu'elle tousse et qu'elle meurt à la mer. Relais. Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Le relais Caron nous a donné des sueurs froides, même à l'amiral Grissom. Allons honorer le dîner que votre mère s'est donné tant de mal à préparer, et je vous raconterai tout ça. Eh ben dis donc, c'est les repas de famille chez les Riders, c'est génial. Je me souviens de ce jour. Ma mère se plaignait que le clan Ryder ne se retrouvait jamais au complet. C'est étrange, étant donné que vous étiez une famille. C'est justement pour ça. Mon père n'était pas toujours de bonne compagnie. Il pouvait laisser s'installer un silence gêné pendant des heures. Pourtant, vous partagiez le même centre d'intérêt. Ouais, pour le meilleur ou pour le pire, on est toujours marqué par ses parents. Est-ce une forme de symbiose? J'imagine. Mais elle n'est pas toujours avantageuse. Elle a fait de vous ce que vous êes. Le jury s'est pas encore prononcé là-dessus. Quoi qu'il en soit, même moi, je pense à me faire chier. Les liens au sein d'une famille me sont apparus clairement ce jour-là. Vos progrès dans votre rôle de pionnier ont déverrouillé un nouveau souvenir. Allez, on est reparti. Voyons ça. Allez. Ça date du jour j'avais 203. A appris l'existence de l'initiative. Patientez juste un instant. Qu'est-ce qu'on fait chez Organ dans les J'ai eu votre message, je suis là. Vous avez une proposition? Un avenir. C'est vague. Un avenir pour votre femme. Putain, le mec. Vous n'avez comme plus ça quand il voit. Le mec, il boit dans ses yeux, comme ça. Ah! Je vois plus rien. Comment vous savez que... Je peux vous aider. J'ai tout ce que vous voulez. Ah. Dites-moi d'abord ce que vous me voulez. Votre IA n'est pas qu'un simple remède pour votre femme. Elle pourrait apporter le salut à de nombreuses personnes. Je ne vous suis pas. Là où nous allons, nous aurons besoin d'un point de vue différent pour comprendre les choses. Et où donc? La galaxie d'Andromède? J'ai une proposition pour vous.
Et Hélène n'a plus beaucoup de temps. Ça vous intéresse ? Ah ! D'accord. Qui c'était cette bienfaitrice ? Je pense que l'initiative Andromède ne disait pas tout sur ses activités. Des registres privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Il pourrait vous en apprendre plus à ce sujet. Oh, encore un souvenir. Dans votre rôle. Ouais. Allez, c'est parti. Voyons ça. Pour 3 acheter, 1 offert. De la mort de votre mère. C'est la mort de ta mère. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Allez, quelle ambiance. Regarde notre mère mourir tout en faisant chier. Ce n'est pas terminé. Alec. Non. Alec, on n'a que quelques heures. Profitons-en. Salut Valentine. Et après ça... Un bon moment. Vous vous serrez les coudes. C'est toi qu'on veut. Je t'aime, maman. Tu parles... Je vous aime. Tous les deux. Vivez votre vie. Oh, faites de grandes choses. Vous avez tellement de potentiel. Oh là là. Et aussi, tomber amoureux. Au moins une fois. On vous laisse tous les deux. Ta ta la ta la, c'est la fête. C'est méga cliché, c'est lourdingue. Si c'est les souvenirs. Veux, mais te laisse pas détruire. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N7 ? Quand tu as le dos au mur et que tu ne peux pas fuir, certain. Souviens-toi de ça. C'est simple. Sois fort. Je le serai toujours moins que toi. Oh, c'est beau. Je t'aime tant, Hélène. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Je m'attendais pas à ça. La mort demeure un concept insaisissable pour moi. Une fin définitive dans un cosmos par ailleurs rempli de possibilités infinies. Tout a une fin. Ouais, pas de la vie, les étoiles. Surtout que là, en fait, plus on a les souvenirs, plus tu descends dans la dépression et l'alcool. De motivation pour de nombreuses formes de vie organique. C'est la raison de ton existence. Mon père espérait que tu pourrais la sauver. Ah bah, je l'ai parfait, parfait. On est bien là, on est bien. Personne ne peut vaincre la mort. Ni toi, ni mon père. Oh putain, l'enfer. C'était le destin. Pourtant, paradoxalement, c'est à ce moment que j'ai mieux compris la vie. Comment ça ? L'intensité des sentiments que votre père éprouvait pour Hélène. Il les montrait pas souvent. C'est une chose qu'il a regrettée. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Oh ! Ils renferment peut-être... Oh bah bouche. Tiens ! Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus. Des souvenirs ! Ce sera tout pour des l'instant. Souvenirs ! Entendez. Des souvenirs ! Ah ! Alors... On va regarder tous les registres ! Non, non, non. On l'a vu qu'une seule fois. Alors... Les registres personnels de votre père. Donne-moi ça, Alec. On t'a assez entendu. Bon, donc voilà l'ironie de la situation. Mon étude sur les implants biotiques et les os a causé cette maladie. Mais peut-être qu'elle peut me sauver. Non. Il n'y a pas de peut-être qui tienne. Hé, c'est mon registre secret. Enfin, bref. Le bon implant associé à la bonne IA pourrait renforcer la physiologie humaine. Même si la maladie essaie de me tuer. L'implant et Sam la contrebalancent. Ils maintiennent l'équilibre. Résultat ? J'ai le droit à un petit sursis. Je vais peut-être pouvoir réclamer tous ces dîners d'anniversaire que monsieur me doit. En tant que gardien... T'imagines, t'as l'historique de ton père, l'enfer. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de votre peuple face aux guettes ? Nous avons banni les intelligences artificielles, ce qui était compréhensible. Mais c'était une réponse brutale à un problème plutôt délicat. Quel problème ? La cause même de leur révolte. Ah, du coup, il y a quand même des Cariens. Le premier guette qui nous les Cariens, on sait pas pourquoi ils ont pas fait le voyage d'Andromède. Hein. Cette unité a-t-elle une âme ?
Mais elles ne pouvaient pas avoir d'âme. Pas être en... Les quêtes n'avaient aucune expérience ni perception réelle du monde. Ah, peut-être que les Kariens ne pouvaient pas être en stase. Je sais pas. Pire, les quêtes nous considéraient comme les créateurs. C'est la seule race qui manque, hein. La révolte était inévitable. Après les guettes, on s'en fout parce que c'est des méchants, de mais des races amicales... Et ils ne le supportaient pas. Rider. Ah, le courtier de l'ombre. Malavon m'a dit que vous me cherchiez. Ce n'est pas tous les jours qu'un ancien insecte demande à voir le courtier de l'ombre. Tout peut être obtenu, à condition de pouvoir payer. Surtout s'il s'agit d'intelligence artificielle. Le conseil va me coller des spectres sur le dos. Ah putain, ça y a tout le... Ça c'était bien ça, tu vois, j'ai Mass Effect, les spectres, tout c'était vachement cool. Le prix vient de doubler. Si vous manquez à votre parole, j'ai des hommes. Des hommes armés. Ouais, c'est peut-être ça, Vérondard. Ils sont assez fragiles, les Kariens, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être. J'ai fait une drôle de rencontre hier. Je pensais voir Jen Garson, la fondatrice de l'initiative, mais ce n'était pas elle. Jen doit être la visionnaire, celle qui motive les troupes et qui fait la pub pour le projet. Mais il y a apparemment une bienfaitrice qui fournit des ressources et de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est un peu inhabituel. Mais ce projet l'est depuis le début. Intéressant. Je me demande si Tan est au courant. Ça vaudrait le coup de lui en parler. Légion. J'ai accepté l'offre de l'initiative. Ils m'ont nommé pionnier. Je n'ai plus le choix. J'ai besoin de leur aide pour Sam. Nos économies sont à sec et personne ne répond à mes appels. Je suis un paria. Il se trame un truc bizarre avec cette bienfaitrice, mais l'état d'Hélène s'aggrave. Je ne peux pas l'abandonner. Ok. Allez. Allons voir Tan. Alors. Désolée de vous avoir fait venir, mais la discrétion est de mise. Discrétion, mais entourée de plusieurs gens, quand même. L'un des assistants d'Harry a embarqué une proche sur l'arche sans autorisation. Il l'a ensuite réveillée et laissée partir. Il se trouve que cette personne est porteuse d'une maladie rare. Elle n'est pas contagieuse pour l'instant, mais plus tard, par contre... Toute la station est maintenant exposée à une maladie potentiellement contagieuse ? Oui. Ça ne doit pas s'ébruiter, et il faut s'en charger rapidement. Si la nouvelle fait le tour de la station, ce sera la panique générale. Et comme ce problème vient de l'Hyperion, c'est ma responsabilité. Donc c'est la mienne également, n'est-ce pas, capitaine ? Merci, Ryder. Tâchez de garder ça pour vous, pour le moment. La seule on va tous mourir maximum, on va tous mourir le problème avant que les rumeurs se répandent. Putain, alors... Très bien, je m'en occupe. C'est ça. Merci. Allez voir Harry. La bonne colique il spatiale, vous quoi. Détails. Reprenons le contrôle de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Alors, le premier qui bouche les chiottes a perdu, hein. Je vous le dis. Et ça, hop, dans l'espace, allez. C'est terminé. Pionnier. Il paraît qu'Aya est un monde paradisiaque. Enfin une planète habitable. Quand est-ce qu'on s'y installe ? Demain, promis. En temps voulu. À mesure qu'on apprendra à se connaître, on devrait partager plus les uns avec les autres. Mais on doit trouver nos propres mondes habitables. Des mondes qui pourront tous nous accueillir. C'est vrai. Mais maintenant, on s'y connaît. Balance tes jambes. Pas vrai ? Je sais que vous y arriverez. Continuez comme ça, pionnier. La tourista, c'est ça. T'es la tourista de l'espace, quoi. Tu fais 600 ans congelé, tu sors et t'as la chiasse, quoi. Oh, mais quel enfer. Putain. C'est pas possible, ça. Ah, déjà 18h23. Bah, dis donc. Attends, Emilia, tu vas vite te casser, parce que tu me casses les couilles. Alors, attendez, hein. Je fais un truc. Tac. Voilà. Alors. Ok. Je remets Team DLC. Allez. Donc du coup. Ah mais y a un truc de bière là, on me le dit pas. Pourquoi il y a des trucs là. D'autres marchandises volées. J'en informe le responsable des quais.
Ok, c'est bon, ouais. Ouais. Oh, il y a un truc en bas, mais je suis jamais allé. Ouais. Ok. Jeu de jambes. Je crois qu'après avoir vu... Oh. Salut Pibi. Salut, ouais, pourquoi il s'est terminé il y a pas longtemps. Il va falloir l'enlever sur le Mobot. Mais n'hésitez pas à faire un tour sur le Mobot d'après concours. Il y a assez, des concours assez... comment dire... assez souvent. Du coup, n'hésitez pas. Mais là, c'est vrai que le concours... Bah, fallait être là avant, Vartix, voilà. En attendant, tu te chopes une tourista d'Andromède et puis voilà. Suite au réveil post-stase, l'initiative lance un appel au don de sang, de tissus et d'ADN. Allez voir un médecin si vous souhaitez participer. Vous êtes sur SIH. Génial ça. Voilà. Demi-tour à droite. Le train est à gauche. C'est vraiment injuste. Salut, c'est l'heure, ça. Excusez-moi, pionnier. Je ne savais pas vers qui me tourner. Mon meilleur ami a disparu depuis les révoltes. Ah ! Dites-moi tout. Il entretenait une relation avec une femme qui a été exilée. Vu son obsession pour lui, je suis presque sûr qu'elle l'a enlevé. Les autorités ne me croient pas, ils s'en balancent. Ils pensent qu'il est parti de son plein gré. Ah. L'amour peut nous faire faire des choses insensées. Il n'était pas amoureux, c'était juste un flirt. L'initiative l'a qualifié de traître. Je ne veux pas qu'on se souvienne de lui comme ça. Ouais, que ça pète, je veux qu'on lave son nom. Sanjeev Clément. La femme s'appelle Delany Rose. Elle a dû l'emmener sur Kadara. Clément pour un Turien, ça rigole. Je verrai ce que je peux faire. Je vous revaudrai ça. Okay. C'est une poche. Faut peut-être réparer parce que un truc électrique devant une plante... salut à tous! Quelle est la situation avec l'Arche? Ryder, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Aussi tentante que Meridian puisse être, nous devons faire preuve d'une extrême prudence. Je peux comprendre votre décision. Je sais bien qu'éviter de prendre des risques n'est pas dans vos habitudes. Ah, moi, mais je fonce dans le tas, c'est la meilleure décision lorsqu'autant de vies sont en jeu. Souhaitiez-vous me demander autre chose? Simple curiosité. Qu'est-ce que vous savez sur les personnes à l'origine de l'initiative? Hein? La même chose que tout le monde. G.N. Garson en était la fondatrice et la tête pensante. Par malheur, elle est morte lors de l'incident du fléau. Personne d'autre? J'aurais bien aimé. Une autre voix. Merci Leto pour ton follow et bienvenue à toi. Keshe aurait peut-être fini par m'écouter. Mais non, il n'y a plus que nous. Pourquoi cette question? Pour rien. Je devais espérer que la cavalerie finirait par arriver. Si seulement. Ouais, mais chauffe, non, tout gravitait autour de G.N. Garson. Mourir seul. Une fin vraiment tragique pour une personne de sa trempe. Alors, Wartix, en fait, il faut savoir que Mass Effect, c'est beaucoup d'histoires. Le temps donc, que nous la beaucoup parlé avec des gens, elle avait etc. déjà succombé à cette lucide. C'est quand même pas de chance. Mourir bon, juste à la RPG, fin d'un quoi. Voyage ouais, de 600 ans qu'elle a personnellement organisé. Un RPG dans l'espace, quoi. Le du coup, tu vas... Cruel. T'as plus de moments où tu vas parler avec des gens, que tu vas tirer sur tout le monde, en mode « Putain, je suis le pionnier, attention, à vous casser la gueule !» Voilà. Merci de m'avoir reçu. Mais là, c'est un temps aussi... Si vous souhaitez poursuivre votre enquête, les enregistrements de sécurité du Nexus pourraient vous en apprendre plus. Faut savoir aussi que là, j'ai pas mal de trucs à faire en Nexus que j'avais pas fait. Donc, du coup, voilà. Salut Nathan, merci pour ton follow et bienvenue à toi. Alors. On va faire ça. Ça sera fait. Cet endroit me rassure pas. Pionnier, je pense que vous avez trouvé le responsable des coupures de courant. C'est quoi ça? Demande au professeur Eric de venir le récupérer. Ah mais d'accord, ok. J'ai gagné. Le centre culturel demande des instructions particulières quant à l'alimentation de nos invités en gara. Bah, vous l'avez pas vu, vous, là. C'était juste... Allez. Mordan, triomphe d'un
En fait, Mobot te déteste, il m'a dit que... voilà. Désolé, madame. Bon. Qu'est-ce qu'on... Le seul élément concret qu'on a, c'est que son corps a été retrouvé dans un des appartements. Associer son décès à la catastrophe du fléau relève donc simplement de la spéculation. Ouais. Allez, il faut juste clore cette affaire. Allez. Ouais, il y avait un facehugger qui mangeait les fils d'un... Enfin, plutôt un filhugger. Qui était derrière des trucs en train de se cacher, c'est sympa. Vous êtes sur SIH. Moi, je vais de la chatte. Non, juste maintenant, quoi. Alors. Pionnier, vous auriez une petite minute ? Ah bah tiens, t'es là, toi, la journaliste. Vous êtes dispo pour une interview ? J'aimerais en savoir plus sur les Angara. C'est rare qu'un premier contact se passe aussi bien. Non, pas encore, au moins, les Angara sont plus pacifiques que les Kert. Cette alliance est en bonne voie. Je me doutais que vous viendriez m'interroger sur les Angara. C'est une bonne excuse pour se voir. Vous ne préféreriez pas plutôt passer du temps avec... C'est vous que je voulais voir. Je dois finir ça. Donc, les Angara, que pensez-vous de cette alliance ? Les Angara sont des survivants et ils seront prêts à nous aider. Ils feront de précieux alliés. Le soldat Angara qui a rejoint votre équipe a déjà une femme, mais tout le monde part alors, Wartix, tu vas sur mon, des plantes vertes, sur mon stream. Des rivières. Nos dirigeants demandent si nous devrions y envoyer des colons. Si les Angara sont d'accord, j'y vois pas d'inconvénient. Je me demande à qui revient cette décision. Les Angara n'ont plus vraiment de gouvernement. Ok, c'est... Écoutez, ça ne tourne plus ? J'ai quelque chose à vous dire. J'ai l'impression que vous me draguez, mais vous êtes le sujet de mon reportage. Et vous êtes déjà en couple. Aïe. C'est vrai que je suis en couple. Mais je veux pas ignorer ce que je ressens. Ah, je comprends très bien. Je ressens la même chose, mais... Ce documentaire est trop important pour moi. À la boulette. Mais quand j'aurai fini mon documentaire, on pourrait faire plus ample connaissance. Alors je patienterai. J'ai hâte que ça se concrétise. Merci. Encore une ou deux interviews et on verra bien ce qui arrive. Ah, oh, le nombre de colons est en hausse depuis le dernier épisode. Et le moral aussi. Tan a envoyé ça pour vous. Félicitations. Ça suffit, ça va clairement pas. Ça va lui faire un cadeau. Tu sais ce que les Angara boivent ? Putain. Vous auriez au moins pu faire semblant d'avoir eu un peu de mal. On dirait qu'elle a 16 ans, mais en fait elle doit avoir 100 ans. True story, hein. C'est ça peut être très 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 vieux, les Asari. Ah. D'autres marchandises volées. T'as volé, hein, son... tout le monde peut les voir, quoi. J'en informe le responsable des quais. Allez, chercher de la bière. Waouh, où est-ce que vous avez trouvé ça ? Non, laissez tomber, je veux pas savoir. Je crois qu'ils viennent tout droit de la Voie Lactée. Et ouais. Salut, Dutch Smith. Encore quelqu'un ? C'est censé être un labo de chimie, bordel. Mon labo de chimie. Tout ce monde qui débarque de nulle part. Vous êtes deux vrais cafards de l'espace. Tu dis ça, Dutch, mais c'est toi qui remplis les verres. Je suis là, vous savez. Ce sont mes cobayes. D'accord, ok. Un chimiste a besoin de cobayes. Ce dont il n'a pas besoin, en revanche, c'est d'un labo infesté de gens qui lui apportent des choses et qui sont gentils. Qu'ils sont vilains, ces gens, à vous offrir leur aide, des cadeaux. C'est honteux. Oh. On est d'accord. Ils n'arrêtent pas d'apporter des tables, des chaises, des luminaires, ce bar. Attendez. Vous vous fichez de moi, c'est ça ? Vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con, des fois ? N'importe quoi. Et les cocktails sont bons. Et comment ? Enfin, je veux dire... Tenez, oui. Voilà un vilain rongeur. Là, t'as un rat qui sort de... du verre et qui me tue, en fait. Qui rentre par le nez et... Ouh, Lexi, ça va. Pipopidou. Popidébalou. Ok, y'a rien là. Demi-tour. Bon, du coup. En fait, les tâches, je m'en fous. Prioritaire, hein. Voilà, j'ai un méridien. Tempête. Allez, faut qu'on aille dans le tempête. C'est parti! Allez, c'est parti!
n'est pas à l'infirmerie ? Non, et elle ne répond pas quand je l'appelle. Je vais la trouver. Chez Wally. T'es en train de boire des canons. Voilà. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Jeu de jambes. Allez. Voilà. Vous cherchez le sens de la vie ? C'est beau, un chat qui joue. Au fond d'une bouteille ? Vous ne seriez pas la première. Il est rare que l'alcool fournisse des réponses. Alors qu'est-ce que vous faites ici ? Quoi ? Je n'ai pas le droit de me détendre ? De m'amuser ? Oh, du calme, je voulais pas vous vexer. Boule, Dieu. C'est juste que... Que quoi ? Vous n'avez pas tellement l'air de vous amuser. Ah bah tu me dis, Ping. J'ai grandi pas sur problème, Omega. Pas de problème, je continue jusqu'à tu sois là. Je devrais voir comme je respire. Dites-moi ce qui va pas. Bibi croit que je me fous de l'équipage. Que pour moi, vous n'êtes tous que des sujets d'expérience. Est-ce que... c'est comme ça que je vous vois, d'après vous ? Depuis quand la vie de Bibi compte pour vous ? Ce n'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque. En fait, tous mes ex m'ont déjà dit quelque chose de ce genre. Sans exception. Ah. C'est pour ça que j'ai laissé tomber les relations. Au moins pour un moment. Alors c'est pour ça que vous avez refusé mon invitation à dîner ? Pas parce que je suis pas votre genre. Oui, enfin, non. Ne changez pas de sujet. Vous pensez que je vous vois comme des expériences ? Vous pouvez vous montrer distante. Alors que les choses soient bien claires, je me soucie de vous en tant que personne. Et il en va de même pour le reste de l'équipage. Même Bibi ? Oui, même la passagère clandestine. Ah, je ferais mieux d'y retourner. Et votre vin ? Je vais le garder pour une autre fois. C'est-à-dire quoi, ça ? Allez. C'est parti. Son garage. Non, chauffeur Bibi, moi. Le côté maladroit et tout, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Ça, c'est vraiment l'opposé de Lyra qu'on avait sur pour la trilogie, tu vois. Je trouve ça assez rigolo. Allez. Gil aurait aimé que vous alliez le voir. Gil. Qu'est-ce qu'il veut, Gil ? Alors... ouais, ouais... En tout honneur, oui. Ok. Allez, c'est parti. Les recherches sur la technologie Orage Fantôme sont terminées, pionnier. Excellent. Yes. Ça veut dire qu'on est prêt à lancer l'opération sur Meridian. Je vais organiser une réunion immédiatement. Pionnier, vous avez des holos en attente. C'est parti. Allez. Les dirigeants du Nexus estiment que chercher Meridian est une perte de temps. Mais on sait qu'ils se trompent. Activer les caveaux, ça ne suffira pas sans le cœur du système. Histoire d'être sûr, vous désobéissez à un ordre direct ? Oui. Non, pas moi. Nous. On va leur désobéir. Voilà, comme ça, c'est un problème, c'est notre tata. Bien dit. Et les cartes ? C'est là que la technologie Orage Fantôme entre en jeu. Orage Fantôme. N'est-ce pas, Reika ? Absolument. Nos faux signaux devraient attirer quelques cartes loin de vous. Pas tous, bien sûr, mais ça suffira. Le tempête est petit et rapide. Un créneau réduit fera l'affaire. On vous déposera et on repartira sans que les cartes nous remarquent. Une fois sur Meridian, on envoie une petite équipe très mobile pour découvrir ses secrets. Yes. Juste derrière les lignes ennemies. Une occasion en or d'estimer leur nombre, d'évaluer leur défense. Et quand vous serez prêts, on reviendra vous récupérer comme à l'aller. Si on revient avec des infos intéressantes sur Meridian, le Nexus sera forcé de nous écouter. Hmm. Ça m'a tout l'air d'un bon plan. Reika, vous êtes prête ?
Prête à partir à votre signal, pionnier. Allez. Allez tout le monde, c'est le moment. On passe à l'action. C'est y part. Je sais pas du tout ce qu'on va trouver là-bas, mais Ouais. Un vaisseau civil, qu'est-ce qu'on va me faire? Une retenue sur salaire? On est payé? Pourquoi? C'est vous qui invitez la prochaine fois qu'on va sur Canara? Typical. Je vais voir Lexi. Bon, je regarde, on va en faire de la merde. Parce que me connaissant. À force de. Voilà. Ah, t'as fini le jeu à 15 minutes? Ah. Il faut qu'on parle. De Sam. Le docteur n'apprécie pas la façon dont nous avons échappé au champ de restriction Kert sur le vaisseau amiral de l'Arconte. En arrêtant le cœur du pionnier? Non, je n'apprécie pas du tout. Du calme, docteur. Ça s'est bien terminé. Si vous devez mourir, même temporairement, je n'appelle pas ça bien. Ryder, Sam vous a tué. Oh, ce face. D'accord, il vous a ranimé ensuite. Mais dans le cas contraire. Ouais, bien sûr. Je ne peux pas apprendre sans le pionnier. Merci. Cela reviendrait à tuer une partie de moi. Tu n'es que des lignes de code. Tu ne peux pas mourir. Sam ne me ferait jamais de mal. Merci, Ryder. Écoutez, je n'ai rien contre Sam. Je n'ai rien contre toi, Sam. Nouveau, bah écoute, installe-toi, prends du popcorn. Est difficile comme ça. Et prends du café parce que tu risques de te faire chier. Voilà. Se tarer comme ça, en pleine aventure, voilà. Très bien, je trouverai autre chose pour épater la galerie. Vous n'avez qu'à demander à Gil de vous apprendre le bonto ? Lexi. Je vous présente mes excuses pour l'inquiétude que j'ai pu vous causer. Et je m'excuse de t'avoir traité de ligne de code. Tu es bien plus que ça. Même si tu n'as pas de cellule pour le prouver. Tu tombes amoureuse de Sam, là, Alexis ? Oula, pourquoi tu traces ? Faut que je parle de ton alter ici. Alors. Bah merci pour ton follow, Emeric. Alors. Je suis tombé sur un autre fragment de souvenir. Mon père a créé Sam pour ma mère. Pour la soigner. Je savais que c'était l'une des raisons. Vous ne saviez pas que c'était son origine. Il a tout abandonné pour essayer de la sauver. Vous ne saviez pas combien sa famille comptait pour lui. Pas vraiment, non. Peut-être que c'est justement ce qu'il voulait vous montrer. J'ai vu un autre souvenir de mon père. Cette fois, j'étais là. Funérailles d'un printemps Mass Effect, Joker, il sortait bien, mais à la fin... Mon père nous a parlé de son passage par il était bien à fond avec le robot, hein. Alors, vous tenez votre goût pour l'exploration de votre Donc, père. Donc du coup, voilà. Respect à côté d'elle. Allez, me spoil pas, mais respect. On disait en plaisantant que c'était dans notre ADN. Alors, cette partie de lui survit à travers vous. J'ai vu un autre souvenir que mon père avait caché. Le jour de la mort de ma mère. Je suis navré, Ryder. Mon père n'a jamais pu se faire à l'idée que ma mère allait mourir. Même dans ses derniers temps. Merci, Tetris 107, pour ton follow. C'est difficile de laisser partir ce qu'on aime. Si tu peux pas fuir, certain. Ah, changer des compétences. C'est ce qu'il a fait, on dirait. Ah, d'accord, oui, tu peux respect. Je vous laisse travailler. Ok. Si vous avez besoin de quelque chose, peut-être je suis là. En tout cas, avec la fin du jeu et tout. Ah, d'accord, ok. Mais je viens de juste découvrir maintenant, tu vois. Moi, je pensais qu'en fait, tu peux faire d'autres trucs avec. Tu vois, dans compétences. Après, tu fais pas mal de profils. Mais bon, après, le respect. Bien sûr que c'est horrible. Mais d'un point de vue purement objectif. Ce que les Kert font avec l'ADN est impressionnant. Quand des gens en meurent, j'ai du mal à rester objective. Putain. Je vais pas réussir à niquer Pibi, hein. Possible, ça. Ah, faut que j'aille voir Gil aussi, putain, du chien. Déjà, je vais aller voir Pibi, voir ce qu'elle va me dire. Bah, culbuté, pas encore, j'ai reçu un bisou, mais... Vous Salut, avez l'air beaucoup. En forme, pionnier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aime quand vous me faites du charme. Je voudrais pas que vous arrêtiez. Je vous ai fait du choc. Vous en faites pas, Ryder. Je suis infatigable. Ça marche. Toujours rien. Ah moi, franchement, ça me ferait kiffer de partir super loin, de découvrir des mondes comme ça de ouf. Ça me ferait trop kiffer. Hein. Mais pour de vrai. Hein. Faut que j'aille voir Gil. Peut être en bas. Alors. Bordel de merde. Charlie. Pas de
puis je l'ai ressuscité. Merde alors. C'est pas des conneries. Je vois que le mot merde. Tu te rends bien compte que même si je mets la main dessus, ça va te coûter cher. Ah. Et tu sais que je tiens toujours parole, alors contente-toi de le faire. Ben alors, Vetra. On m'a dit que les Kert se font moins nombreux. L'Archonte doit toujours être en train de récupérer. Et ça veut dire qu'on peut le vaincre. Tout comme les Kert. Les gens commencent à s'en rendre compte. Vous n'aviez pas l'air de parler des Kert quand je suis arrivé, cela dit. Non, en effet. J'ai un ami qui me cherche une lampe. Ah, après, elle vient de chez moi, pas, mais on me l'a volée pendant la révolte. Mais putain, j'arrive toujours pas à... Il n'y a pas que moi. Comment dire ? Souvi a le vieux matériel de son père. J'arrive vraiment pas à... Bon, Bibi, là, c'est chiant. Eliam... Non, mais il n'y a pas de problème avec Twitch avec ça. Tu, par exemple, quand tu joues à Rust, tu peux jouer avec les nichons, que le sexe, voilà. C'est juste vraiment, t'as des jeux qui sont bannis par Twitch. Après, t'as le reste qui sont bon, tolérés, on va dire. Voilà. Mais par exemple, si tu vois un bout de nichon qui dépasse, bon. Voilà. Ouais, je comprends. Je veux pas oublier ce que j'ai laissé là-bas. C'est ça. Et ce, tout en regardant vers l'avenir. Alors, qu'est-ce cool qu'elle a de particulier, cette lampe ? Elle est affreuse. Le pied représente une Asari fesse à l'air qui tient une lune. Ça doit être belle alors. L'une de vos plus précieuses possessions est une lampe très moche. Elle appartenait au contremaître de mon premier boulot. Je me concentrais dessus ouais, pour et rester des calme Twitch, quand ouais. ils s'en prenaient. Tous les jeux hentai, etc. Déjà voilà. Je la garde avec moi pour ne pas Hatred aussi. Les jeux ultra violents. J'ai passé presque toute ma vie à survivre, me faire emmerder par des enfoirés ou aussi, le jeu l'un avec d'entre les beats, là, qui est assez rigolo. Voilà. C'est derrière moi tout ça. Je peux commencer une nouvelle vie plus honnête. Une vie honnête. Je vous vois pas en fermière, Vetra. Vous seriez surpris. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais changer. Je me moquais un peu de retrouver cette lampe au début. Tout partait en vrille et ça n'avait plus d'importance. Mais la situation a changé, Ryder. Ces petites choses comptent à nouveau. Les gens osent enfin rêver. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Je sais. Ça me fait du bien de pouvoir merci m'exprimer Dark Thomas et penser pour ton un peu à moi pour une fois. Bienvenue à toi. Donc, en fait, si tu veux, Genital Justin, on voulait le faire avec Rowling. Et on a quand même vérifié si le jeu était pas ban par Twitch, au cas où, tu vois. Et le jeu était ban par Twitch. On a été très déçus. Comme vous pouvez vous en douter. Mon guide, il est pas là. Il est déjà là. Guild, t'es où, là ? Sac à purin. Ah, salut. Là. Salut, vous. J'ai une question pour vous. Je vous écoute. Quand tout ce cirque sera terminé, vous croyez que vous aurez des gamins ? Attendez un peu. Je vous aime beaucoup, Gil, mais vous allez un peu vite, là. Ah tiens, vous m'aimez beaucoup ? Tant mieux, mais je parlais pas de ça. Jill, ma meilleure amie dont je vous ai parlé pendant que vous vous écrasiez au poker. Ah, moi je l'aime bien. Elle organise le premier effort de repopulation de l'initiative sur Prodromos. Elle a que ça à la bouche. Ah, je l'aime bien. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Le but de toute cette opération, l'initiative Andromède. Salut Lucas, bienvenue pour le follow. En gros, on est là pour se reproduire. Ok. Salut Lucas, merci pour le follow et bienvenue. Voilà. C'est maintenant que vous vous en rendez compte. Comme je vous ai dit, je me suis pas beaucoup penché sur la question. Donc rien de ce qu'on fait ici ne compte si on survit pas. Jill a raison. Il va falloir qu'on se mette sérieusement à faire des bébés. Et sans trop tarder. En effet. Qui aurait cru que cette opération était finalement qu'un vulgaire service de rencontre ? C'est ça. L'impératif biologique est un peu emmerdant quand même. Donc, vous voulez un enfant à vous ? Je sais pas. J'en ai jamais vraiment ressenti l'envie. Vous me connaissez. Je suis mon instinct du moment et je fais jamais machine arrière. Ma mère dit que mon père était comme ça. Je peux pas le savoir. Son instinct lui a dit de mettre les voiles avant ma naissance. Ah, sympa. J'en avais aucune idée. Ça a pas dû être facile. Bah, je m'en suis pas si mal tiré. C'est ça, Lucas. Hein, il a fait son job, il m'a créé. C'est ça que le titre du live, c'est le harem de l'espace. Hein. Merci pour la conversation. Moi, je suis là pour le sudoku et le coït. Sinon, on se fait chier, quoi. Voilà. Putain, mais quel enfer. C'est pas maintenant que je vais pouvoir faire du côté avec Pibi. Et c'est très chiant. Mais là, je sors vraiment avec Pibi, quoi. Ça, le problème, c'est que je suis en couple avec elle, mais on peut absolument rien faire, quoi. C'est chiant. J'ai envie de mourir.
super vitesse. Incroyable. Si les informations de l'Arconte sont exactes, c'est le bon système. Meridian devrait être dans les parages. Ouais, il y a du fléau là-bas, t'es caché derrière le fléau. Allez. En approche, la trajectoire a l'air bonne. C'est sable, ouais. Ah, est-ce que c'est cette planète? Putain, on a un plein milieu du fléau. Oula! D'accord. Ça y est, c'est Meridian. Ou Kitasira, comme disent les Kerts. Ok. Bah, elle est tout le temps avec moi. Peut-être que je la mette en premier, non? Un truc. Voilà. Coéquipier 1. Voilà. C'est Mister Bla. Quoi, tu pourrais faire avec elle? Bah écoute, je sais pas. Bah, je sais qu'il y a du coït, tu vois. Mais je suis en couple avec elle dans le jeu, mais je peux absolument rien faire. Oh, ouais, oh. Allez. Lancement d'orage fantôme à mon signal. 3, 2, go. 3, 2, go. Il manque un là. Signature ennemie détectée. Prenez-les en chasse. Raiga, ça fonctionne. Je détecte un paquet de Kert en approche. On se replie. À vous de jouer, tempête. Nice. Il faut qu'on les rapproche le plus possible de là. Vu l'énergie qu'on détecte, ça pourrait être un centre de contrôle. Pas de site d'atterrissage en vue. Ça complique les choses. Qu'est-ce qu'on fait? On y va à la rage, comme d'hab. Ryder, je crois qu'on va devoir se contenter d'un survol. Je vais descendre le plus bas possible, mais vous devrez vous éjecter sur la zone cible. Je suis tombé dans le vide si souvent que je suis devenu un pro. On m'a parlé de votre chute libre sur la Vita 7. Paraît que Liam vous a entendu crier tout du long. Évitez cette fois, c'est un peu gênant quand même. Bon, je vous apprends rien. Surveillez votre vitesse. Les boucliers s'occuperont du reste. Allez, c'est parti. Ah, l'arme qui passe au travers de l'armure, pour génial. Pour l'instant, les cartes ne nous ont pas détectés. Mais dès qu'on descendra, on sera à la vue de toutes les troupes au sol. Nos problèmes. Bon alors, pute la gueule. Vous en faites pas pour nous. Contentez-vous de rester hors de danger avec le tempête. Allez. Bien reçu. Quel enfer. Grogne. Tout le monde va bien? Je crois que je me suis cogné la tête, mais ça va. Super, j'aurais dû demander aux tempêtes de nous déposer par là-bas. Hop là, allez. In before, Cette console m'a permis de détecter la présence d'un réseau complexe relié à un centre de commande. In before, c'est un piège, il nous a parlé depuis le début, etc. Très probablement. Cependant, le centre ne fonctionne pas. Il est désactivé. Ah bon, random. D'accord. Allez, c'est le puits là. Génial. Ah nous voyons là le centre de commande que j'ai détecté un peu plus tôt. Ah d'accord. Tout comme les cavernes et les monolithes, ce centre est relié aux deux tours voisines. Ok. Ah bah oui, c'est un piège, bien sûr. Donc en activant les tours, bien sûr, on activera aussi le centre de commande. Alors on pourrait activer Meridian tout de suite? Laissez tomber l'exploration, on fait ça. Et les Kert? Il est déjà arrivé qu'un champ de purification s'active en même temps qu'un caveau. Meridian a peut-être un système similaire. Ah, peut-être. Allons vers ces tours et voyons ce qu'on peut trouver. Pionnier. Ah oui, Farid, moi, oui, la connexion à cette console a activé. Bah, si on se chie, hein, déjà, bon, voilà. Bon, allez. C'est Meridian. On dirait vraiment une cité futuriste telle qu'on voit dans les films, quoi. Pionnier, je capte des interférences radio. Un signal Kert. Alerte! Le signal détecté est éteint l'heure. Des intrus se sont introduits à Kitasira.
À toutes les unités, concentrez-vous sur la neutralisation et la capture du pionnier. Préparons-nous. Vous direz bien que des ennuis nous attendent. Casse back un pistolet, effectivement, j'ai jamais fait gaffe. Au sens du détail. Merci à toi, Yard, t'es venu. Incroyable. Ah. Salut, Cookie Wolf aussi, bienvenue à toi. Si seulement la Moshae pouvait voir ça. Alors, on s'en fout, ce qui drop. Tout ce qu'il faut. Attention, Yaron. Voilà. Putain, il y a même des connards cosmiques comme ça qui vont nous casser les couilles. Voilà. Ils ok, ça passe tout seul. Bon, ça c'est le centre de commande. On ferait sûrement mieux de commencer par les deux autres tours. Les guerres vont vraiment faire comme chez les autres. Ah, du coup, ils sont déjà descendus. Ah, ouais, ils sont désactivés. Des plantes. Ah oui. Navette ennemie en approche. Vous posez personne ? Regardez ça. C'est complètement envahi par la végétation. Wow, wow, wow. On fait ce qu'on peut, hein. Qui fait quoi? Ah, mais il est à moi celui-là, je suis fou. C'est à chaque fois que je lui tire dessus, alors qu'il a rien fait. Un truc. Faut qu'on active les deux pour accéder au cœur oui, de peut-être. Meridian. Peut-être, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Tu veux qu'on se batte, c'est ça? Attends. Du coup, c'est quoi? Il faut appuyer, aller là-bas pour activer ça? Il y a un pont? Ah non, je suis alors, on échange fusil à sniper. Alors, tac, et l'un. Et le deux. Ah, moi j'ai un sniper, rigole pas. Ça va pas. J'ai beaucoup d'équipements, Kert. On va te voir partout. On dirait qu'ils se sont établis ici. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas le commande de la tourelle quelque part. Là, concrètement, j'ai peur de si que si je l'actionne, la tourelle de merde. Ah, en fait, c'est pas ouvert ça, si. Allez. Alors. Arme lourde, attention. Je détecte de la technologie handicap en état de marche. Nous pourrions l'utiliser. Destiné. Voilà. Allez, merde des gros pains, Jal, t'as raison.
Mais oui. Oh putain, le prédateur qui arrive en mode. Allez-y, le par terre. Oh, il y a un mastodonte génial. Il a jamais envie de mourir, je sais que c'est un crogan, mais quand même quoi. Voilà. Putain, mais quel enfer de cul quoi. Je crois que c'était le dernier, pour l'instant. Voilà. Champion dégueulasse, oui. Ah ben voilà. On peut avoir de la lumière ? La première console. Oh là là ! C'est vraiment le bordel à Meridian, hein. Ok. Oh, toutes ces capsules là. C'est quoi ce bordel ? Traduction, modèle 1-3. Viabilité 56,2%. Pourquoi il y a des engueras là-dedans ? Modèle génétique transmis à des fins de test. Il faisait des choses à ces engueras. On dirait qu'il faisait des sortes d'expériences. Sympa. Pas forcément. Ce sont des modules de stase. Ils sont plus pratiques pour le transport que pour les expériences. Ils essayaient peut-être d'aider les engueras. Il faut qu'on les sauve. Qu'on les sorte de là. Ciao, ok, ping. Pionnier. Il n'y a plus rien à faire. Quoi ? J'ai analysé les glyphes. Ce ne sont pas les Angaras que nous connaissons. Ils ne sont même pas vivants. Je ne comprends pas. Ils sont les... Ah ben Henri, salut à toi et merci pour le fait. On appelle ces corps des modèles génétiques. Un plan. Comme les plantes qu'on a vues. Oh putain, merde. Les Angaras ? L'alarme a fait n'importe quoi d'ailleurs. Comment ça ? On vient d'ici. Ils nous ont créés. Pourquoi ? Qui est-ce que ce bordel ? Peu importe pourquoi. Ça change pas la personne que vous êtes. C'est vrai. Et nos obstacles restent les mêmes. J'ai juste l'impression que quelque chose a changé. Je dois réfléchir. Il faut que je parle à la Moshae. Donc Meridian peut créer la vie. Et si l'Archonte pouvait s'en servir pour le contraire, détruire la vie. Ah, oui, à nous de veiller à ce que ça n'arrive jamais. Effectivement. Si on prend les commandes de Meridian en premier, l'Archonte ne pourra pas y toucher. Ok, je peux se regarder là. Je peux pas se regarder. Comment c'est pratique. Dites Jal, vous savez que si vous... L'activation est en cours. On a réussi. Hé, yes. Hey, le bassin a disparu. Il y avait quelque chose en dessous, en fait. What? Toute la cité reprend vie. Elle revient à son état normal. D'accord, effectivement. Une tour de fête, on passe à l'autre.
Je sais pas sauvegarder, ça c'est chiant. Putain, l'enfer. Funérage, son but c'est de trouver tous les mots bannis. Regardez toutes ces lumières. Vous imaginez à quoi ça ressemblait quand tout marchait? Quand les créateurs étaient là? Et comment vous imaginez ces créateurs? Grand, luisant, ou bien petit, gros et luisant? Non, on s'est toujours dit qu'ils ressemblent. Ça se présente pas! On est en dos! Calme-toi. On va pas le consacrer d'abord, c'est plus chiant. Voilà. Allez. Je sors mon truc là. Voilà, je suis un petit bien. Merci d'être passé. Voilà, pas de problème. Hein. Ouais, sauvegarde Manuel. Cet endroit serait une aubaine pour les Angara, si on arrivait à éliminer les Kert. On pourrait y apprendre quelque chose. Les troupes de l'Arconte sont-ils... What? Ok. J'espère que l'un de nous a un bon sens de l'orientation. Moi, non. Si seulement on n'était pas obligé de courir partout pour se défendre contre les cartes. J'aimerais bien pouvoir prendre le temps d'étudier tout ça. Ah oui, mais oui. Pas maintenant, hein. Les cartes, ouais. Bon, il ne nous reste plus qu'à activer l'autre tour. Je vois pas... non. Bah désolé, ping, hein, mais là... Ils abusent un peu au niveau défense. On dirait qu'il y a un flingue à tous les coins de rue. C'est incroyable. C'est un niveau limité d'énergie. C'est merde, je suis suicidé. Merde, merde, merde! Voilà. Ah, merde! Une toile là-haut. Oula. Restez à bonne distance. J'ai des relevés d'énergie franchement étranges. Pionnier, les ondes d'énergie émanant de ces cratères semblent avoir donné naissance au fléau de Vénus. Oula. Alors ce qui s'est passé ici a envoyé le fléau contaminer tout le secteur? Oui, pionnier. Alors les créateurs des reliquats ont provoqué le fléau, vous croyez? À moins qu'ils aient subi une attaque.